Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur Flapix TV, bienvenue à vous dans une toute nouvelle vidéo. Nouvel épisode, je crois le 17ème, si je dis pas de conneries, ou je sais plus, c'est approximativement ça. Du round 100 sur toutes les maps zombies. Aujourd'hui, le petit manche 100 sur la fameuse map Forsaken, voilà, qui vient de sortir sur Cold War. Là, au moment où on tourne ça en live, on est actuellement, le lendemain de la sortie de la carte. Du coup, bon, vous voyez Twitch, hein, comme d'hab, on est en live sur YouTube. On voyait YouTube qui met des coucous. Je veux dire, on est en live sur Twitch, pardon, non, on stream jamais sur YouTube. Il y a la fatigue là du grind qui tombe. On est en live sur Twitch, du coup, vous voyez Twitch qui vous met des coucous YouTube. Voilà, je voulais dire plutôt. Donc voilà, bah, si vous êtes sur la vidéo qui est sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo pour ce nouvel épisode, hein, à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour qu'on pète les 100 000 abonnés sur cette chaîne secondaire Flapix TV. Et puis bah voilà, écoutez, on va se faire le round 100, on va déjà mourir, c'est terrible. Hein. Terrible, terrible, je suis pas focus. Hop, je pense qu'on va rester jusqu'à la 8 dans la first room et ensuite on sortira et tout, on sera la strat, tout ça. On s'en sera des défis, j'ai la flemme de faire la quête pour l'arme spéciale, clairement. S'il faut commencer le secret et tout, commencer le secret, faut juste appuyer sur un bouton. Et un peu la... Oh, bon ça. C'est très très bon. Ça m'a mangé, moi j'aime bien manger ça. Hop. Et ouais, let's go, du coup, mangeons sur Forsaken, voilà, avec une strat un petit peu craquée, en vrai, un petit peu pété, même, si je puis dire. Mais bon, une strat sympa pour faire le mangeon, et du coup, en live Twitch, hein, dans tous les cas, on fait un mangeon, mais c'est pas forcément pour... Enfin, c'est pour YouTube, mais ça aurait pu ne pas l'être. Vu qu'il y a du double XP, je veux passer Maître Prestige le plus vite possible à cette saison, histoire de finir Cold War une bonne fois pour toutes, voilà. Dernière saison de grind, dernier prestige à passer sur ce jeu, donc voilà. Est-ce qu'on a la strat, Yann, si t'as besoin, si t'es trop pressé, voilà, si tu veux pas attendre qu'on y soit. Il y a la Jen Rediff sur Flapix TV, on a fait le manche 100. Mais sinon, sinon tu la verras là d'ici peu, la strat, en gros, si on se met au spawn, Reagan, PhD, et voilà quoi. Aïe, qui prédit dans le futur, comment ça, de quoi ça, moi j'ai pas suivi. Oula. On va peut-être sortir maintenant en vrai. Marc monte 7, ouais non vas-y. Voilà bah bon je suis tout, oui bah c'est bon, hop. Tac. Allez let's go. On va se prendre déjà Jug. L'heure, ah fait chier il est vert. Vas-y bah je vais me laisser un zombie ici. En vrai tranquillement, là de toute façon ils vont tous repop. Parce que ceux du spawn ils repop tous là. Et du coup normalement YouTube au moment où vous verrez cette rediff qui sera dans très longtemps sur la chaîne principale, si ça vous intéresse, il y a le tuto comment faire manche sang facilement. Et si jamais Twitch ça vous intéresse de voir comment faire la manche sang, le tuto sort ce lundi, voilà. C'est un de ses pouvoirs, Storm, t'inquiète. C'est... voilà. C'est... voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, là, 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 là. Ça, ça ouais, ouais, c'était pour le secret, tout ce qu'il y a dans le secret, ouais, c'était tout là, dès hier. Dès hier. Parce, oui, si, c'est la strat camion. Celle qu'on a fait, bah, hier, à 7h du mat, quoi. Mais du coup à Twitch, lundi soir 18h ou 17h je pense, vous aurez la vidéo préparative complète quand on fait manche 100 en solo, sans coupure, voilà la strat, les préparatifs complets quoi. Sans cut pour tout vous montrer. Hop, allez. Putain, il y a tellement de zombies, on se fait tellement de points au début de cette map, c'est délirant. En plus on a un bonus point. Voilà un petit bonus de points. Ok, bah vas-y on va ouvrir la map. Ouais, c'est spawn continu à Todo, c'est ça, au spawn. C'est spawn de zombies continu, ça ne s'arrête jamais. Bon, je vais faire un truc, moi, hop. Directement, est-ce qu'on essaierait pas d'avoir un petit Wallagan avec Ronald? Hop. Hop. Let's go. Merde, je vais où? Putain, j'ai perdu du temps. Attends, mais c'est où? C'est par là? Ah oui, c'est là, putain, j'avais pas vu le truc. Terrible. Ah, une main, je déconne. Ah ouais. Carrément ça. Oh bordel. Une strat d'élite. Content que vous soyez là. Hop. Pour assister à mon heure de gloire. C'est mes genoux ça. Je ne vous laisserai pas gâcher. Hop. Je pose la pizza, tant que j'y suis, on prend les trucs, on n'a pas le temps, tac, on fait tout d'un coup. Mais ouais, ça peut m'éviter de faire des boîtes, la strat on peut la commencer dès le début, si on chatte le Reagan, ce serait bien. Tant qu'on ait de la chance. Sinon on fera des boîtes, hein, tant pis. Et toi, moi, tout à l'heure, pour mes recs, j'ai fait 5 recs, et sur 5 recs, j'ai eu 4 fois la Reagan. Ok, des matériaux. Bon, en tout cas, ça me permet d'avoir du stuff en plus dès le début. Mais voilà, c'est comme tout à l'heure, par exemple, j'ai fait une boîte et je l'ai pas eu, quoi, la partie d'avant. Alors que d'autres coups, j'ai, bah, comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai fait 5 fois, sur 5 fois, j'ai eu 4 fois la Reagan. Donc, ça m'avait bien. Tu vas voir que du coup là c'était juste pour faire des tests, donc je restartais les parties, le Reagan ne servait à rien. Et là tu vas voir que je vais avoir besoin du Reagan, je répare avec Ronald. Ça se passe tout le temps comme ça de toute façon.
Hop. Pizza, on récupère ça. Essentiel à la chute d'Omega. Ça, je le sens, mais je le sens. Il est le seul à savoir comment vaincre l'oublié. Et bon, si jamais on fera des boîtes, hein, j'ai le flemme de restart. Je pourrais restart pour savoir Ronald Reagan. Mais flemme. Il y a double XP, on va quand même jouer à côté. Si jamais on fera des boîtes à la... en manche plus élevée, et puis c'est tout. On se prend pas la tête, c'est chill. Hop. Ah, il faut que je récupère la récompense. Et ben voilà. Tu te rappelles de vos voix, Storm? Le script est encore merci, Storm. Vraiment, hier, c'est... tu te rends pas compte à quel point c'était... Tu m'as mis Gucci! Incroyable, hein. On va prendre un réglé. Voilà. C'est fait au moins. Vroom vroom voiture. Un jour, faut qu'on fasse le 1er avril. Storm, on fait un tuto comme ça. Genre vroom vroom voiture. Que des trucs, mais débiles. Hop. Bah, du coup, on peut déjà commencer la strat, hein, c'est bien. En vrai, j'ai quand même envie de faire un peu de défi où on speedrun le manche sans, je sais pas. Vu qu'en soit, l'arme spéciale, je m'en sers zéro. Ah, Storm, c'était vraiment. Il y avait tout. C'était nickel, hein. Il en fait. Ouais, non, mais Yann, le secret, il est vraiment, vraiment bidon. En vrai, il est vraiment bidon. C'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Non, on va quand même faire des défis pour essayer l'arme spéciale. J'ai pas de gispé. Ouais, je suis à 7 niveaux perdus à cette saison. Est-ce que ça se voit que j'ai des larmes qui coulent actuellement, le chat, là, quand je dis que j'ai 7 niveaux perdus? Ruxito. Fous-moi la paix. Petit malandrin. Ah, il m'a pas loué de shield là. Ah, je pensais qu'il y a du shield à chaque fois. Mais non, pas de chance, dommage. Bon, j'ai eu de la chance sur Egon, donc on va pas se plaindre. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, hein, je vous rappelle, il y a toujours ma chérie qui stream là actuellement sur sa chaîne Twitch. Hein, si jamais vous voulez voir, je sais pas, de l'autre contenu vidéoludique, que le manche sans. Si jamais le manche sans vous intéresse pas, bah voilà. J'aimerais bien passer là. Ouais, au pire. C'est une zone. Un traitement de carburant. J'aurais dû passer la manche. On va faire un défi en vrai pour l'arme spéciale. Au moins, ça nous fera un petit peu de mouvement le temps. Voilà, tranquille. Et où le zombie? Putain, j'ai cherché par le cul parce que j'ai le flemme de l'attendre. T'es où, malandrin? Voilà, ce sera plus rapide. Tac, ok. Je pourrais faire l'arme spéciale gratuite, mais j'ai la flemme en vrai. J'ai la flemme de ouf. Salut Arima, comment tu vas? Ouais, Sam, ça me l'a fait hier. Un moment, pour récupérer la pièce, c'est qui est sur le mur là, un peu en hauteur. Je sais pas si c'est sur la map, mais ça m'a remis sur la map. Genre, j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là, j'étais content. Dans mon défi, je vais faire que dalle. J'aurais dû tuer le zombie puis lancer le défi, je suis trop bête. Je suis trop con! Ah, j'ai un standard, let's go. C'est vrai qu'éliminer à une zone, ça rapporte tellement. Ouais, la borne d'arcade, mais bon, un peu la flemme la borne. Oh, si on préfère le dragon, ça fait des XP du coup, vu qu'on fait des kills. Attends, hop. Putain, mais change d'arme, mon ref. Hop. T'attends des pics. Ah, dommage. C'est dommage! Vas-y, je vais faire le dragon vite fait pour manger un peu Gucci en termes de matériaux et tout, peut-être un truc. Qu'est-ce qui t'arrive, Darkmo? Pas TP dans un... Ah ouais? Ah non, moi ça, on sert TP genre comme ça, voilà, tranquille. Ah merde, du coup, ouais, c'est chiant. Hop. On va se faire le petit truc, comme ça, tranquille. Ouais, le dragon! C'est dommage que ce jeu d'arrêt notre mais soit pas... C'est stylé qu'on soit sur le temps de la map, mais tu sais, Dare, ça arrête ici, c'est une petite zone de Dare remaster. Dare, je peux virer mon Aether Shroud, moi. Je peux remettre mon petit anneau de fion. Putain, il regarde là, dès le début, il nous a mis trop bien pour le round sans, pas que je le choque. Pas que j'ai de crash, pas que j'ai de bug, c'est le problème, hein, surtout quand on tente de jouer à ce jeu, tout simplement, c'est de crash, quoi. Chiant, mais bon. Il ne faut pas se passer après, par contre, hein. Petit passe-passe PHD. Ça va manger Gucci. Hop. Ah, c'est bon, c'est fini le dragon. Let's go. C'est mes bien. On la remplit au fond. Tout est fun. What the fuck, t'es sur Interest. Ah, what the fuck, les gars, putain, je suis sur. Ah non, non, c'est pas. Non, c'est pas Interest. Dommage. Der sur Cold War, oh my god, oh my god.
Il manque Cold War 2, tu veux dire, Storm. Même pas d'atout, super. Voilà, non luck quoi, c'est terrible. Hein. C'est que de la merde, les gars, c'est terrible. Oh là 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 là. Oh, mazette. Hey, RTP-moi sur la map, s'il te plaît. C'est un message qui voyage dans le temps, c'est ça, Storm. En fait, l'a envoyé à Tech Dertoton, je crois. Quand Tech Dertoton, t'as envoyé le message. Oh, bordel. Hop. Petit x2. Bon, allez, de toute façon, c'est la fin de mon shop. Te blâme pas, t'as le rayon. Oui, c'est vrai. Je reload. Putain, fais chier. Oh, j'ai pas eu d'atout, frère. J'ai eu le rayon, c'est bon. Vraiment, pas vraiment. On le testera. Mauvaise touche. Je voulais aller en avant, j'appuie sur S. Super. Salut Danidan, comment tu vas? Merci Lucifer pour le follow et Siva. Et Riri également. Désolé si j'ai pas lu vos follow avant, j'étais dans mon truc. Merci pour les follow en tout cas, bienvenue à tous. Hop. Ah, la fameuse pizzeria. Et ben allons-y les amis, let's go à la pizzeria. Hop. Tac. Ah, Storm, moi aussi c'est bizarre. Putain, pourquoi on a tous cette haine? Bizarre, hein. Oh, c'est lumineux en plus, c'est pas resté, j'avais même fait gaffe. Voilà, on passe en légendaire, pardon. C'est vrai que c'est inversé par rapport à BO4. Putain, pourquoi ils ont fait ça? C'est stressant du coup. On espère avoir la crise d'Alax direct, comme ça on est tranquille. Marc, attends. Ah, c'est bon, légendaire. Let's go, mange Gucci! En même temps, là, je vais aller chercher mes atouts. En vrai, genre PhD, Ikiri, passe-passe. Peut-être 3 armes. Ok, on est là. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre 3 armes avant. Même si je sais pas si je vais avoir de la chance et je fais la Crystal Axe direct. On va. Bah, tiens. Hop. De toute façon, j'ai la Vendor Fist, donc bon. Ouais, stream, celle que j'ai déjà fait hier dès que la map était sortie. Ça t'as dit d'où, comment tu vas? Oui Mason, oui, serre-moi la main. On est d'accord, totalement. Ah, c'est bon, on a les atouts qui nous suffisent en vrai. Ah si, peut-être Réa après aussi comprendra. Un vrai de vrai. Eh le chat, mettez-moi des emotes chat du rouquin en vrai. Ah et Pépito, t'as pas de chance, moi j'abat. Pépito, regarde. On tente, si jamais au pire j'achèterai le respawn, mais bon. Non, Pellington. Ok, on va se relancer des défis du coup. Défi de renseignement, l'air qu'il n'y a pas de renseignement sur la map, c'est débile. Oh, oh quel enfer. Je connais tellement peu les barricades de cette map, il y en a tellement peu en fait, que tu peux rebâtir. Regarde, celle-là déjà rebâti. Oh, terrible. Celle-là aussi. Putain, mais il y a un charpentier peu de temps. Celle-là se rebâtit pas. Peut-être à la pizzeria. Du coup, peut-être que là, j'ai eu un charpentier et voilà. Ce défi est terrible. Quoi, Storm? C'était trop bien. Ah ouais, la map, oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu pétant. Là. Mes frères, rebâtir. Eh, le défi, il me rend fou. Ils disent rebâtir des barricades. Il y a quasiment pas de barricades à rebâtir, gros. Quoi? Attends, un zombie casser une barricade. Ce défi est débile. Putain, mais frère. Mais frère. Allez, nique sa mère. On va aller relancer un autre défi. On va passer la manche aussi au cas où on a un défi de éliminer. Le ciel est dégagé, si vous voulez vous exfiltrer. Hop. Moi sur Twitter, l'autre sur Cold War suffit. De ouf. De ouf. Je te jure, Jorkin, c'est ça. Et là, c'est pareil, genre, t'as un défi de renseignement. Mais y'a pas de renseignement sur la map. Forsaken. Les seuls renseignements avec, du coup, les sessions de défis sur Contagion. Mais y'a un défi de renseignement quand même, attention.
Ah, terrible défi. Ça la sortit pas non plus. Gros, c'est un délire. Il y en a aucune. Tu sais, il y en a 4 dans la map. Cette vidéo club là, ça me met Gucci de d'éliminer des zombies du coup. Sans le meilleur défi éliminé, franchement. Ça met juste trop bien. Elle est déjà standard. On peut passer en épique, je pense, direct. Il y a un paquet punch le Reagan après. Un petit jeton. Oh, flemme de refaire les jeux d'arcade en vrai. Hop. Ah, c'est déjà fermé Dream celle-là. Ça, moi je cherchais, je n'ai croisé plein d'Infinter Bâtir, mais c'était tout fermé quoi. Donc trop chiant. Enfin, plein. J'ai croisé quelques-unes. Alors, Marc, je sais pas si on passera en épique, hein. Vu qu'on est déjà en fin de manche. Ah, c'est épique, let's go. Et un petit en plus. Allez, nickel. Oh, le PHD, mais qu'est-ce qu'il est bon, putain. Hop. Ouais, ça a plein, tout est relatif, hein, voilà. Eh, mais c'est la même, il y en a quasiment pas sur la map de base. C'est ultra débile. Normal, Damien, que je donne pas mon avis sur la map. Pour l'instant, j'ai pas donné mon avis en sachant que la map vient de sortir. Faudra attendre plusieurs semaines pour avoir un bon recul sur la map, avoir bien farm la map de ouf. Pour avoir du coup un... Oh, c'est dommage. J'ai pas vu que c'était resté dans la zone. Pour avoir un ressenti, hein. Enfin, un avis. Tu peux pas donner un avis en un jour sur un truc, quoi. Tu peux pas assez construire la vie, quoi, en gros. Donc la vie, ouais, je donnerai, je sais pas, dans 2-3 semaines, un mois. Juste pour l'instant, j'aime bien. Après, à voir avec le recul ce que donne la map, quoi. Non, Zox, BO4. Yeah, BO4. Chat encore 4, elle a 12 ou pas? Non. Ok, c'est la 11 qu'on va chat encore. Merci pour le follow, Mamadou, bienvenue à toi. Bienvenue. Vas-y, je peux passer la manche pour l'instant. Allez, s'il te plaît, passe en légendaire, frérot. S'il te plaît. S'il te plaît. Les teasers zombies de Vanguard. Ouais, ouais, c'est... Ouais, ouais, bientôt, ouais, c'est à la Toussaint. Oui, cette semaine prochaine, les premiers teasers Vanguard Zombie, je pense. Non, Zach, c'est BE4 en anglais, c'est déjà PHD Slider. D'ailleurs, là, je crois même qu'en plus, en tous les cas, en français, c'est glissade explosive, hein, le PHD. C'est exactement comme BE4. Ah, mais j'ai jamais eu le kick, putain, j'ai pas fait gaffe. Et non, c'est Réa qui me manque, je suis con. Oh, je suis à l'ouest, c'est terrible. Non, au cas où. Je refasse des défis. Ah ouais, Zox. C'est exactement comme BO4, juste ils ont repris le logo classique, que je préfère personnellement. Parce que violet, tout ça, voilà, moi j'aime bien quoi. Moi j'aime bien quoi cette petite couleur, ça me plaît. Un petit pH déchiré, putain. Ah ouais, Storm? Comment ça se fait? Pique, c'est quoi? Il y a des zombies depuis la hauteur. Je peux monter là-dessus? Non. Je peux monter sur un truc vraiment hauteur par eux. Peut-être en faisant un pack loin, je sprint sur le camion là-bas. Elle a tué mon zombie. Ah bah oui, ça raconte la chatte, elle tire. Merci beaucoup Val pour le 15e mois de sub qui fait plaisir. Merci à toi, beau gosse. Un genre comme ça, hop. Un mois de plus dans l'armée des Goma allemands BG. T'as un mois de plus, ouais, totalement, c'est vrai. C'est vrai. Quel BG, quoi. 15 mois dans cette armée, Val. Merci du soutien, en tout cas, ça fait super plaisir. Non, en vrai, là, j'étais en train de repenser, mais tout à l'heure, Xy, elle a ultra géré pendant le secret, elle a fait qu'une seule down. C'est la première fois, du coup, qu'elle faisait le boss et tout. Vraiment trop forte, ma copine. Let's go. Impec. C'est bon, on est bien. Plus besoin de faire de défi. Juste.
Ok, tu viens avec moi. Je suis con, je pouvais juste prendre le lower. Prendre l'heure du spawn en vrai, il a dû monter en rareté. Ouais, bleu, ça suffira. Le recul est pas top. Hop. Hop. Mais c'est pire pour le non. Impeccable. Vas-y, on va se faire des points comme ça. Histoire de tout améliorer. Je sais pas où est-ce qu'il y a un spawn ultra fast sur la map. Juste le temps de me faire des points pour tout pack à punch et tout. Ou je serai dans un coin et je vais jouer au début à l'arme spéciale pour me faire des points vu que ça fait plus de points qu'un tir au Raygun, forcément. Hop. Un pack. Daleter, si t'as besoin, y a toutes les infos sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un tuto complet pour ça. Si jamais t'as besoin, voilà, n'hésite pas. Tu joues quelle arme? Hour. Voilà. Si t'as besoin d'une classe Hour, prends une session classe dans le chat et t'as la vidéo top 10 des meilleures armes de Cold War. Des meilleures classes de Cold War. Tu mets où il y a le Raygun? Bah, je suis pas sûr que ce soit très rapide, peluche. Ouais, ouais, c'est vrai que le spawn début, c'est en vrai, c'est pas mal, hein. Dans tous les cas. Vas-y, on va se poser là-bas. Temps de faire des points. Merde, non, c'est le Pekka Punch. Pas vrai ça, je sais, on l'a fait hier matin alors que la map venait de sortir, je connais très bien les strats, t'inquiète pas. Hein. C'est vrai que toi même depuis combien en fait je peux cutter en fait. Oh un sondage intéressant, meilleure map DLC4 selon vous. Ah bah c'est, y'a aucune hésitation, j'ai juste repensé à un truc hein. Frère, y'a aucune hésitation. Pour la meilleure map DLC4. Moi mon classement je pense que ça ferait Tag Der Totten le plus bas. Parce que clairement c'est par rapport au masterclass qu'on a pu voir dans l'histoire de Code Zombie, ça reste une map de Cold War, hein. Ça reste très faible quoi. Mon classement ça ferait la pire Tag, pour moi c'est la moins bonne. Sinon après Forsaken, après Moon, après Révélation et forcément frère Origins à ce moment là Junior je sais pas, je l'ai fait chill ce soir, j'ai pas vu en combien de temps on l'a fait. Check David l'a fait en 28 minutes, enfin tu peux le faire en 25 minutes si tu veux le secret. Bien sûr, Anox avec les TP. Ah mais Yannis, il y a une hésitation en fait, il y a même pas de débat, hein, clairement. Faites-moi l'appel les zombies, je prenais mon téléphone. Ils sont en train de charger. Nuke, je m'en fous. En descendant cette map, ouais, non, mais vraiment, c'est impressionnant. Bon, le son est facile, ultra bidon sous l'air, tu verras. On a une fenêtre d'évacuation. Et je rappelle, hein, si vous avez besoin, je vous sortirai. J'aime essayer de vous sortir le tuto demain en vrai, tuto mange sang. C'est très short, mais je vais me motiver. Je vais me motiver de ouf. Rien à foutre, je vous dis. Et si vous êtes gentil, sort, j'essaie de faire le tuto demain. Enfin, le tuto en priorité demain, c'est surtout le tuto renseignement déjà. Origin, c'est 80%, et bah, c'est sûr. Remaster class, cette map, elle est vraiment pas mal, hein. Hop. Bah sous là dans ce cas tu prends pas de shield, tu prends pas d'atout et tu as ton challenge hein. Tu crois moi avec 150 HP en haute manche, c'est pas la même histoire hein. C'est pas du tout la même histoire. Non Wolfinity est toujours présent, je suis à 7 niveaux perdus à cette saison. Ouais début de manche clairement c'est bidon avec l'arme spéciale hein. J'aimerais juste passer la manche en vif. Voilà hop.
On va prendre le x2. Allez, let's go. New notre super easter egg, bah Noxar, c'est Treyarch. Il y a jamais eu de vrai super easter egg. BO2 c'était juste un dialogue, BO3 c'était un RK5, 1 million d'XP. Après, se trouve, il y a peut-être un super easter egg caché qu'ils nous ont pas dévoilé, mais ça m'étonnerait sur ce jeu, ça m'étonnerait, c'est... Il y en aura pas. Hein. Malheureusement. En tout cas, pour l'instant, il y en a pas. C'est vraiment dommage, hein. Du coup, là, ici, elle fait quoi? Elle retente le secret ou pas, ici, ceux qui sont sur... Je sais pas si vous êtes sur son live. Non, Black Lord appartient à une certaine manche, c'est pas dans la note feu, l'arme SP, c'est 2 coups et c'est pas pratique avec l'Hyper Sprinter. Du coup, là, la strat en début de manche, les gars, c'est ça. Perdu 20 niveaux. Ah ouais, 20. Oh, ça perd hippopette. Merci beaucoup, j'ai pas vu 30-05 pour le follow. Ligne à toi. Oh, il y a des points. Hop. Mais je pense, si je vois qu'on a la manche 100 et qu'on n'est pas encore à 2h du mat, le chat, on continuera les manches, hein. Juste YouTube, j'arrêterai du coup à la manche 100 parce que le but c'est juste de faire manche 100 dans la série. Tu vois le fameux bug de niveau qui est présent depuis la sortie du jeu. Voilà, voilà. Soul Last. Let's go. Vas-y, je vais pack à punch un peu mes trucs. Ouais, ce que j'ai fait Dade hier en stream, on l'a débloqué hier. Hop. Hop. Let's go. On mange Gucci. Non, Bobby, non. Clairement pas. Je pense en vrai la plus dure, même si c'est simple, c'est Mower, je pense. D'ailleurs, BayZ, une strat comme ça pour être posé, être tranquille. Machine Spice, tranquille. Mower, si tu veux faire la strat du spawn control, c'est peut-être un peu plus challengeant. Re, monsieur Lucky. Re. Ouais, celui-là, c'est la même chose que Firebase, Imachine, tu sais, la strat classique, hein. Putain, ça fait tellement de points, l'arme spéciale, c'est trop bon. Je vais me poser plus comme ça. Hop. Ça, je fais un coup là, un coup là. Tu vois, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. C'est un Extros, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, faut pas chier. Oh merde, le charpentier. T'es tranquille, Nextros. C'est toi le beau mal, la pie. Beau mal. Jazz, vous avez déjà fait le manche sans vous? Pas du coup sur Forsaken d'ailleurs. Oh oui! Oh oui, ça, oui! Ça, j'aime bien.
Ouais, c'est sûr, peluche. Mais ça ralentit les zombies, donc ça me fait chier un peu quand même. Hop. Putain, j'ai 24 000. Je peux pas capter le tir de mon rayon. Le ciel est dégagé. Évacuation disponible. Je sens pas quoi. 46 perso, ok. Ouais, Dalaether, ça avance. Ça avance bien là, les 100k sur Flappy CV. Je suis content. Ah ouais, Zox, ok, mais deuxième chose, il était à 98 et il a crash. Putain, t'imagines 98, tu veux juste te taper ton premier manchon sur la map. Vos petits crash qui pop, allez, ça yale. Oh putain, il faut que je me recule. Ça me rend fou. La tentative, je suis à 52 pour toute première partie. J'ai fait, oh, j'ai déjà pris une première game, c'est pas mal. Hein. Pauvre abomination, quoi, je suis désolé. Avec le double XP, j'espère passer niveau 50 au moins ce soir. J'allais dire, surtout que je fais des kills au corps à corps, donc en théorie, ça me XP bien. Mais non, j'ai oublié que c'est plus par rapport au kill maintenant, mais c'est par rapport au temps, quoi. Plus tard dans un game, moi, les zombies te rapportent d'XP. Sur que c'est linéaire, c'est vraiment débile comme système d'XP, c'est terrible. Pegaman, cher SP, on peut toutes les armes spéciales, Doki. Il y a juste cette DCD qu'on ne fait pas, et maintenant on peut. Depuis la saison 6, justement. Non, moi, du coup, là, pendant ce temps, vu que c'est chill, je vais mettre le secret d'Exi pour voir. Enfin, le live d'Exi pour voir où est-ce qu'ils en sont, le secret. Mais t'inquiète, Guy, y'a pas de soucis. Ouais, bah Nat, les prochaines. Cette fin de semaine et semaine pro, ça va être full Cold War. Qu'a tout le grind de la saison 6 à faire. Les armes à monter en Dark Ether et tout. Je répète, hein, Twitch, mais c'est demain soir le rush Dark Ether de 2 armes sur 3 déjà. Et tentative secret solo aussi demain soir. On va tout faire. Bonne soirée. Hop, un pec. Salut Soba, comment tu vas? Ah, Jorgin, pourtant la musique de map elle est incroyable, hein, celle-là. Mais c'est pas Kevin Sherwood, c'est. Un que je préfère à Kevin Sherwood, mon petit Brantier. Le GOAT des OST de Code Zombie, clairement. Sans lui, on n'aurait jamais eu la musique du Pack a Punch Doré de Tech Dare Totten. La musique, c'est une version de Sentence Lobby, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Salut à toi Minator, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais bah j'ai testé, j'ai jamais essayé, du coup je me dis bon bah ça fera une raison d'essayer quoi. Même si ouais, David l'a fait tout à l'heure, il a dit c'est vraiment très très bidon quoi. Hop. Il y a 50 000 points. Il me faudrait 30 000 plus 45 000, 75 000 plus... Il me faudrait du coup 125 000 25 000, je crois. Ouais, on va dire 5 000. Ou peluche, ça dépend de quelle version. Parce qu'il y a la version Origins, Mob of the Dead, Moon, Zetsubou, Goroth, la version Chronicles, la version. Il y en a tellement des Sentence Lobby. En soi, c'est une chanson, Jorkin, celle-là. D'ailleurs, c'est la première fois que j'aime bien une musique de Cold War, parce que je trouve Alone et Lost et
Bon, je sais plus c'est laquelle, je trouve vraiment, vraiment pas folle. Hein. Vraiment, bon, t'es en mode ouais, bon, frère. Bon, Dieu, un petit peu, un peu déçu. Pauvre abomination, quoi. Vraiment cruel envers ces bêtes. Paradox, elle endort celle de Nart, hein. Elle endort de ouf. Hop. T'inquiète, Jorkin, mais si tu entends de la musique, j'ai mis en fond de mon tuto pour l'easter egg du lapin et Bubby. C'est cette easter egg là qui donne la musique de la map, justement. Stone, je t'ai pas vu, désolé. Continue à BG. Y'a trop de monde dans le chat, j'ai pas l'habitude qu'on soit autant. J'ai pas l'habitude. Ouais, Capitano, c'est celle qu'on a fait déjà hier matin. Et je vous rappelle, si jamais il y a besoin, il y aura le tuto prépa complet en solo qui sortira. Marc, non, mais la rediff, je vais la mettre demain si on réussit le manche sang. La rediff, la pixcv. Demain, j'ai pas de rediff, la pixcv. Bah ouais, on va faire ça. Si on y arrive, hein, si on a pas de crash. C'est ça le problème. Maxime, à part ceux que j'ai mis en vidéo sur, en tuto sur ma chaîne, non. Il y a une piste pour un nouvel easter egg secondaire par rapport à des plans d'armes posés au sol. Mais on sait pas trop quoi en faire, comment et tout. Bon, Sunstone, je suis agréablement surpris de la map. À part le secret qui est claqué du cul. La map, j'aime vraiment, vraiment bien. De quoi, peluche? Moi, je trouve la vie des zombies, la méta, elle est, faut vraiment pas la toucher, elle est vraiment bien. Bah Yann, moi ça me dérange pas, regarde Ascension, regarde Five, tu vois. C'est des trucs qu'on a déjà vu dans le mode zombie. Donc moi ça me dérange pas du tout. Je préfère ça qu'un copier-coller d'une map zombie qu'on a déjà eu, quoi. Ça c'est complètement débile. Ça je comprends pas le fait qu'il dit, il y a des gens qui se plaignent du fait que ce soit un copier-coller, enfin tu sais, qu'ils aient repris une partie de la campagne. Au contraire c'est bien, parce que c'est un truc qu'on a pas en zombie justement, donc ça permet d'avoir un truc. Et surtout que de base, le mode zombie fait beaucoup ça, hein. De réutiliser les sets de la campagne, c'était un petit peu pas le principe de base, mais c'est beaucoup ça. Moi, ça me semble logique. Sur ce que j'adore le mode carnage, c'est on a accès aux maps multi, mais en zombie. Moi qui joue pas en multi, du coup, je suis trop content. Puis du coup, bah, je peux quand même profiter de ces maps, quoi. Ouais, Maxime, moi aussi, en vrai. Même si je préfère le secret de Mower, honnêtement, je trouve bien plus intéressant ce map-là. Niveau de l'ambiance, tous les secrets secondaires, elle est vraiment des secrets secondaires, celle-là, c'est bien. Ah pourquoi peluche, moi je trouve c'est bien le saumon Contagion. Au début ouais, je trouvais ça un peu maigre parce que bah, ils ont sorti ça sans rien, tu sais, il y avait Contagion, tu faisais juste des manches, t'avais les mêmes objectifs, quelques petites maps, pas de temps. Mais là, dans l'état où c'est Contagion actuellement, avec tous les secrets qu'ils ont ajoutés, c'est le premier secret, le deuxième secret, les quêtes secondaires, les armes, enfin ils ont... C'est le mode le plus complet du zombie, quoi. Et pour moi, je trouve ça vraiment, du coup, vraiment trop bien. Et par contre, Contagion à la sortie, j'étais en mode ouais. Il y avait pas assez de choses, quoi. Moi, Contagion, c'est un mode qu'ils doivent mettre à chaque fois. En plus des maps classiques. Et mettre Contagion à la sortie, sans secret à la sortie, juste Contagion classique. Ils font des ajouts sur Contagion au fur et à mesure entre les maps DLC. Et là, ce qui m'a fait chier, c'est Contagion remplace une map DLC 2. Même si en soi, oui, Contagion est le DLC 2 le plus complet de l'histoire de Code Zombie, puisque c'est beaucoup plus complet qu'une map zombie classique. Hein. C'est-à-dire, ça prend la place, sur ce jeu, ça a pris la place d'une map. Et déjà qu'on a peu de maps sur le jeu, c'est ça, j'ai eu un trait dans la gorge. Contagion, s'il avait sorti à la sortie du jeu en plus de Dimashine, que entre Dimashine Firebase Z, ils auraient ajouté un truc incroyable. Ça aurait été trop bien. Pour moi, c'est ça qui est bien avec Contagion, c'est qu'entre chaque map DLC,
Ils peuvent nous ajouter des maps contagion, des quêtes secondaires, quêtes principales avec contagion et faire qu'on ait des trucs en fait avant entre les maps DLC, parce qu'avant BO3 tout ça, t'avais la map DLC, tu l'as farmé pendant une semaine, secret secondaire, secret mange sang. Après pendant 2 mois bah tu t'avais rien à faire quoi. T'es en mode ouais bon bah voilà. Ça pour moi contagion c'est l'une des meilleures innovations qu'on ait pu avoir de l'histoire du zombie, parce que du coup entre chaque map DLC on peut avoir du contenu quoi, avoir des ajouts, avoir des petits secrets en plus. Et ça c'est vraiment trop bien. Mais ils auraient vraiment dû sortir Contagion à la sortie du jeu et pas en tant que map DLC, en tant que map DLC, non, non, c'est frère, on a déjà peu de maps sur le jeu, c'est non. Ça, sur Vanguard, j'espère qu'il y aura le retour de mode Contagion, mais que du coup, on l'aurait à la sortie du jeu. Mode le mode Contagion plus la map de base du jeu, quoi. Comme ça, en attendant le DLC 1, hop, il veut nous sortir un secret Contagion ou je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, totalement, Redox, je voulais dire Azox, Redox, bonne nuit, je voulais dire, j'ai mélangé les deux réponses que je voulais faire dans une seule réponse, terrible. Bonne nuit Redox et ouais, les secrets de 4 du chaos, c'est... De toute façon, le chaos a été la meilleure chose qu'on ait de l'histoire du zombie. Les... Ah mais qu'est-ce que le menu PS? Non, jamais je déteste les BR, remember. Et juste Blackout que j'ai bien kiffé, mais c'est tout. Mais voilà. Jamais, c'est pas qu'il y a aucun rapport, mais si, il y a littéralement aucun rapport. Il y a vraiment le rapport, il est moins que zéro même, je dirais. Merde, ça arrive. Non, Maxime, du tout. Attendez, hop, j'étais en train de remplir la vape. Je vais me faire submerger. Juste c'était à Dijon, même pas un an pour mes études. J'ai fait 2 semaines de fac et voilà. Ah ouais, Azox, oh putain. Ah oh, terrible. Ah c'est terrible hein, ce bug là. Ça c'est vraiment dommage parce que le jeu il est vraiment gâché par les bugs. Hein. Sans ça là avec la dernière map qui est quand même une bonne map, hein, faut se le dire. Hein. Pas une excellente, hein, pas la meilleure map qu'on ait de l'histoire, mais c'est quand même vraiment une bonne map. Ça fait vraiment chier qu'il y ait tant de bugs sur le jeu parce que ça nie complètement le jeu quoi, c'est trop chiant. Le jeu là il pourrait être bon, il pourrait être bien. Il pourrait pas être excellent, il est pas au niveau d'un... BO1 en termes de survie ou alors au niveau d'un World War 2 au niveau, de difficulté. Ou alors d'un BO3, BO4, IW pour les maps secrets et tout. Moi de toute façon le top 5 c'est 5 opus là, clairement. Mais c'est il est pas à ces niveaux là mais il est quand même bon, sans les bugs, sans les bugs. Si on compare du coup l'état du jeu dans sa globalité avec les bugs, le jeu il est à chier. Vraiment c'est Cold War et à chier, c'est un des pires zombies actuellement. Parce que le jeu il est vraiment fait, voilà quoi. Non Maxime j'ai juste fait un an. Si, peluche, y'en a. Y'en a. Enfin, y'en a, mais maintenant, les zombies balancent des bouts de viande. C'est juste leur système de anti-glitch, entre guillemets. Et ça, c'est tellement bien qu'ils aient fait ça, quoi. Parce que fuck les mecs qui glitchent pour faire des manches ou débloquer des trucs, hein. Des raclures. Non, merde, j'ai pris ça. Maxime, saison 4, encore les bugs où y'en avait, la pire, c'est la saison 5. Pour moi, c'est simple, la saison 5 a été la pire période de tout Cold War Zombie. Aucun ajout intéressant, encore plus de bugs qu'avant, c'était un massacre la saison 5. Oh, oh une horreur. Voilà, la saison 4 était la meilleure en vrai. Deuxième secret, Contagion, Mauer der Toten. Voilà. On a eu 2 secrets en une saison littéralement. Bon, même si, j'ai dit secret mais... Deuxième Contagion, c'est pas un secret, hein. C'est juste un prologue pour Mauer, c'est un petit peu un truc tout claqué. Mais tu vois, c'était toujours ça, ça faisait toujours une petite recherche à faire en plus. Pour moi, c'est vraiment saison 4, saison 6, saison 3, saison 2, saison 1, saison 5. Non, Yann, surtout le problème, tac, c'est, je trouve, c'est l'ambiance. C'est fade. C'est pas, y a pas de truc. Alors que là, tu sais, avec la ville style années 80 et tout, y a un vrai truc. Surtout, oui, la dernière partie du boss fight, quand t'es au top, c'est intéressant, mais sinon, c'est pareil, le boss fight, c'est pas fou. Au moins, Forsaken, on a un boss fight, certes, simple, mais ultra stylé, quoi. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, en début de stream, avec...
avec David. Clairement, pour moi, l'oublier, c'est le boss fight le plus, tu sais, visuellement, je parle, le plus stylé de Treyarch après le Pégase version Dark. Pégase version Dark, beaucoup trop loin pour nous. Remember lors des soirées custom map du jeudi. Bon, attends, on va faire un truc. Hop. Allez, let's go. Toutes nos armes sont pack à punch. Qu'il a perdu. Ah, c'est marrant ça, PXL. J'ai nul la commande, de voir. Pour cette blague. La vie au Forsaken. Forsaken. En vrai, faucheuse, ouais, littéralement, ouais. Si, à Légion un peu, mais pour taper, il bouge pas trop, quoi. Après, comme beaucoup de boss, hein, regarde, Shadowman, il bouge pas trop, Zetsubou, il bouge pas, Darius Drahoy, il bouge pas. Alors, rendez-nous des secrets des boss fights à la BO4, hein. BO4, c'est vraiment été l'apogée de Treyarch, c'est là où ils étaient vraiment un talent, mais monstrueux, quoi. Pour les maps du chaos, les secrets secondaires, l'ambiance de toutes les maps et tout. Oh, je fais la merde là, si je fous là moi. Et où l'abomination? Elle est où? Ah, j'ai tué! Ah ouais! Ah, oh, mais non, j'ai racheté l'OR après au mur en vrai. Putain, j'aurais dû attendre de voir si l'OR il passait au mur. Trop con. C'est avec quel spé qu'il faut améliorer ses armes? Soulet, j'ai rien compris, frérot. Tu peux être compris la question. Non mais Yann, totalement. Même Voyage, le boss fight de Voyage, pour moi, est sûrement l'un, même voire le meilleur boss de Treyarch, juste du fait que tu mets pas ses dégâts, bam, one shot. Et juste ça, c'est incroyable. Hein. Ah, tu vois, la 33, là, l'arme spéciale, elle commence un peu à... voilà. Nine, c'est juste mal parce que le secret il est bon, il est diversifié, il est un peu long quand même, tu vois. Non, vraiment, B4 c'était un 100%, c'est incroyable. Les modes de difficulté, c'est incroyable. Bon, après, Yann, ouais, je suis les lions. Quel goat, les lions. C'est, je pense, son arme préférée, tout cas confondu. Plus qu'une 911 Mother et tout. De quoi, Zionix, il est assez gratuit de quoi? Oh, let's go, PXL, félicitations! Wardux BO4 est le zombie le plus sous-côté pour moi, avec W. Eh, Mason, t'arrêtes de faire ton américain là? Putain, je te jure, les américains ils rendent fous. Juste, en fait, les gens ont commencé à trash talk BO4 pour la simple. Un truc. Parce qu'à la sortie du jeu, il buguait. Ah, c'est juste ça, hein. Et au final, 3 mois après, il était patché et voilà quoi. Bon, Cold War, c'est 11 mois qu'on attend qu'il se patch. Il va pas faire chier longtemps, lui. Merci beaucoup Alex pour le don de 10€ qui fait super plaisir, merci à toi. Merci beaucoup, ça fait, bah ça fait plaisir. Oh Yann, ce truc ça rend fou. Oh ouais, c'est vrai que le transit c'est une bonne map avec un bon secret et tout, transit hein. Secret transit, très bien. Terrible. Mmh.
Ah c'est là, je suis en train de répondre à des commentaires sur YouTube pendant ce temps. Hop, tu es manche. Ah Yann, ça. C'est vrai que c'est des bonnes maps, mais quand tu regardes, il y a trop de points négatifs. Hein. Il m'emmerde ceux-là. Je vais me faire chier longtemps. Voilà, problème réglé. Vas-y la bise, Pixel. Bonne soirée à toi, BG. Et tu me diras du coup si demain tu as bien reçu la Tesla. Oh, l'anneau de feu, ça compte pour les persécuteurs. Intéressant. Enfin, je le dis à Kenshin pour son app. Le ciel est dégagé. Vous avez la possibilité d'évacuer. Vous avez vu? Avoir le cœur sur la main dans désormais tout son sens. Vas-y, Pixlou. Ardox, ouais, bah, c'est pas que la commu du code. C'est énormément de commu. J'ai pas vu, merci beaucoup, Rick76 pour le follow, bienvenue à toi. Jusqu'à la 33, on va faire ça. J'ai lu Overside, t'as vu, il est pas si compliqué que ça le secret. J'arrive pas à l'avoir, il me fait chier. Je vais chercher par le cus, t'enfoiré. Viens là. Ah bon bah voilà. Salut mon pote. Ouais Dream, ça totalement. Merci Toronto pour le follow. Ah faucheuse, ouais, je te jure. C'est ça, moi dès que je refais un marathon secret BO2, je dis les gars c'est version Richto par contre. Hein. Attends que t'attends l'Avogadro. Ouais, Overside, totalement lâche, bah c'est bien, c'est une arme spéciale au moins là. Viens là. Il est mort. Il est où? Il m'emmerde. Petit con, va. On est niveau combien? 41, ok. Bientôt, prestige 24. Avec les disciples, c'est comment c'est le short, hein. Avec les disciples, là, c'est trop short. Ok, niveau 42, c'est cool. Ok, bon, maintenant Wonder Ripon que pendant la petite le petit anneau de feu. Si il y a des disciples, c'est trop relou. Hop, on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça et on est bien. Même ça. Hop. Ouais, Yann, de ouf. Christo par terre, remember, c'est pour récupérer des balles de la version mitraillette de la hache. Enfin, de l'arme spéciale plutôt. Qu'est-ce qu'il y a, Doki? Pourquoi t'es stressé? J'ai pas suivi. Ah ça y'a pas de disciple, du coup je peux me lâcher avec la hache, encore. Parce qu'elle a 43. Quand elle respire sprinter, la strat elle va être tellement plus rapide, ça va être indécent. Alors ça y est pour l'instant, non. Non, y'a pas de... non. Même pas un million d'XP ou quoi. C'est vraiment dommage.
Ah, celui-là, ouais, totalement. Bah, l'extinction était l'un des meilleurs modes zombies de l'histoire. Hein. Non, mais je veux dire, meilleur mode de Call of Duty de l'histoire, pas de zombies. Beaucoup trop incroyable. Ouais, c'est ça, Doki. Ouais, celui que j'ai, c'est dans la saison 4. 3 4 4 Il semble 4. Dreams, moi je préfère machine de mort perso. Mais si on se flamme. Ah si l'on se flamme, c'est plus. J'ai pas pensé un truc. C'est que les abominations, leur faiblesse c'est feu et poison. Et donc l'on se flamme pour les abominations c'est. Ouais. Ouais, l'on se flamme en fait c'est plus intéressant. Tu peux tuer moins de zombies avec un lance flamme. Mais. Les abominations, tu peux les détruire avec ça. Ah, c'est totalement Infinity War, trop fort. Nouvelle à tous, c'est littéralement comme PHD Flopper. Bah, c'est le même. Ah, je te jure, Mason, c'est ça. Hein. Il est venu à Positive Quiz, c'est pareil. Voilà. Ah, je te jure, ça, c'est trop ziré. Juste un petit truc, quoi, pour dire voilà, t'as fini tous les secrets. C'est dommage. Avec le Search Hunter, non, ça va pas être viable de faire ça. Je vais voir si je pouvais genre dégainer le mitraillette, tirer sur les mobs au loin, les zombies spéciaux. Mais non. Ils font tout chier là autour. Hein. C'est bon, calmez-vous. Hop là, 41. Ah, ça, t'es vraiment fast, hein. C'est trop bien. Bah, Didi, juste un autre feu. Voilà, c'est tout. Ouais, saoulé. Mais ce qui rajoute un peu de challenge, en vrai. Je sais pas, moi, Eliane, je donne pas de notes à la map pour l'instant parce qu'on a pas assez de recul dessus, quoi. Je sais pas si les secrets secondaires ont été trouvés. Tiens, encore l'effet, elle vient de sortir, c'est nouveau, donc waouh. Donc avoir avec du recul. Ah si, je sais ce qui me manque. Putain, comme à tout, bah oui, pour avoir des matériaux, surtout que j'ai besoin beaucoup de matériaux pour la strat. Chercher direct. On peut pas donner de coup de hache on... Ah oui, ce qui doit tenir la hache à deux mains, je suis con. Hop. Attendez votre tour, j'ai assez de balles pour tout le monde. Il faudra beaucoup de matériaux avec cette strat. Eh, perception, non, ouais, je l'ai oublié. Ah, mais ça, y'a pas que ça à prendre en compte aussi. Y'a l'arme spéciale, y'a l'ambiance, y'a la manière dont elle est disposée, y'a tous les secrets secondaires, y'a plein de trucs à prendre en compte. Ah, Versailles, on verra ça au prochain épisode du Sombre et Terre. Je casse tout. Ah, t'imagines, les scènes seraient abusées. Lequel, Remember?
Là, y'a un disciple. Non, j'ai cru. Craft, pistolet laser. Non, non, pistolet laser, t'as jamais plus le craft. Bordel. Est-ce qu'il a dégusté le ref? Ah Rainbow, bah sinon il a les mêmes effets que sur BO4. En vrai. Voilà. Je réfléchis, je sais plus ce qu'il fait d'autre. Oh, tu vois, ils ont mis très... Je sais plus ce qu'il fait d'autre. Ah si, il a indiqué derrière les murs, genre les récompenses, comme ça, genre tu sais, les coffres, les trucs lootables. Tu sais, MJ, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah Maxime. Ah mais c'est vrai que sans ouvrir la porte, oui forcément ça tombe de dessus, ouais. Après le problème c'est qu'au bout d'un moment tu peux plus c'est plus très worse avec la hache pour faire des manches. Puis assez efficace après. Efficace que dans l'anneau de feu. Je suis pas sûr que ce soit très viable avec le Space Center et tout. Merci beaucoup Poulet pour le 14e mois de sub, Kyrial. Merci à toi pour le sub, mon gosse. Pire map inventé en zombie. Wow. Ça va. Au passage, love les vidéos sur YouTube, Meg. Visage souriant. Ah, oh, c'est trop dur de choisir les trois. Elles puent tout autant la merlise que les autres. Hein. Mais écoute, Poulet, d'ailleurs, j'ai même pas répondu. Ça va et toi? Comment tu vas? Ah, tu vois, par exemple, la hache. On a la 44 et voilà. Oh merde, ce disciple là-bas. Il est juste derrière moi en fait. Bon, casse pas les couilles, dégage. Le pauvre. C'est à peine pointé que BAM! Niveau combien? 43, ok. Ok, 45. C'est quand tu... Oh bah c'est bien Poulet, bah bon anniversaire en retard. Par contre j'ai changé de lunettes parce que celle-là me fait un peu mal aux yeux. Mal aux yeux, mal... celle-là ils ont des grosses branches avec le casque. Oh bah attends, c'est vrai que j'ai mes nouvelles. Je vais aller chercher. Hop. Bien sûr, on n'oublie pas hein. Protégez vos yeux des écrans avec Gunnard, position lunettes dans le chat. Et comme promo Flapix, bien sûr, si vous passez beaucoup de temps dans les écrans, il faut prendre soin de ses yeux. Évitez d'avoir des problèmes de vue, d'avoir des migraines, etc. à cause des écrans. C'est vrai qu'ils m'ont envoyé des trucs exprès avec des branches fines pour pas que ça me fasse trop mal au... avec le casque. Tac. Hop là! Impeccable. Ah, oh, ça fait du bien. Ah, c'est sur Gunnar. Allez, redonnez-moi mon shield, merci. Ça a vu.
Ouais, Yann, pardon, Swan, c'est vénère du coup, c'est pour ça qu'en fait, la machine de mort, bah, je serais pour le. Je saurais quoi utiliser pour le vidéo préparatif complet dans le sens en coupure. Merci beaucoup Mangal pour le follow, bienvenue à toi. C'est abusé l'arme spéciale. C'est de l'abus. Donc que d'un autre feu, parce que sinon ça devient plus intéressant là, on va l'utiliser. Ouais, c'est le 5 septembre. Là où j'ai subi, là, il y a un mois, ma plus grosse PLS en live. C'était indécent. Pas des mines qui traînent ? Oh bah, voilà, problème réglé. Niveau 44, ok. Non merde, disciple. Fous-moi le camp. Ce malandrin, quoi. Merci beaucoup, c'est bébé pour le 7ème mois de sub. Qui fait plaisir, merci à toi, beau gosse. Tu régales de ouf. Best youtubeur, quel beau mal. Continue comme ça, tu nous fais kiffer. Oh là là, c'est ça qui me fait kiffer, ça le fou. Ah. Combination, le temps de reload. Oh, PHD, putain. Très risqué si je vais tenter, mais je vais tenter. Sunshot, ok. Bonjour, monsieur. Hop. Fin de manche, il reste un zombie. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Hop, impeccable. Trop tard pour l'évacuation. Ah, double XP, il fait plaisir par contre, hein. On va grind comme des petits fous. On ferait peut-être que je sorte déjà l'arme et ensuite que je mette mon... Ring of Fire. Remember, non, parce que j'ai besoin de lunettes, mais j'ai toujours pas été voir un Ostamo. Donc, après, oui, Gennard peut mettre à la vue les lunettes. Hein. Ça, faut que je prenne rendez-vous chez Ostamo pour savoir combien de corrections il me faut, parce que je sens que là, ça commence à être terrible de loin. À force de rester devant les écrans, voilà. C'est vrai que c'est conseillé que quand tu passes beaucoup de temps devant un écran, toutes les heures, deux heures, tu regardes une minute au loin pour que ta vue se réadapte. Et pas être habitué à regarder que devant toi, genre proche. J'ai encore oublié ça. Alors donnez-moi du shield, s'il vous plaît. Du shield, allez, allez. Merci bien. Et je mange 48, on va y être rapidement là, sans. Bordel. Ouais, tira, ouais, y en a une comme la cuve et comme les caisses de. La caisse de Firebase Z. J'ai encore oublié de. Mon ordre, putain! Oh, pauvre tempête.
C'est vrai qu'avec 3 armes, mon laser il se recharge tout seul du coup. Putain, c'est bien ça. J'ai pas le réflexe d'activer couverture des terres et changer d'arme après. L'arme spéciale est aussi bien, elle est pas mal. Ou c'est au spawn? Ouais, c'est le spawn, regarde le TP là-bas. Si t'apparaît sur la cage là-bas, t'as le TP pour aller vers le truc juste là. Ah, je suis pas sûr où c'est, du coup, Tira. Mais c'est juste ça la strat, voilà. Merci Chitan pour le follow. Oh, disciple. Mais je trouve qu'il tenter un manche sans sur Dimashino avec la DCD améliorée. Pour voir ce que ça donne. Ah merde. Je charge Dragon, j'ai fait de la merde. Ouais, ça me pêche bien là. Eh, pas fou, Soulet. Ouais, Karma, depuis la saison 6, tu peux. Et la Reika a été augmentée en dégâts pour que se redienne une arme spéciale intéressante au-delà de la 53, je crois. C'est vrai que la Reika devenait, était plus de, plus trop, voilà quoi. Dégage. Oh, un trou noir. Et elle a mangé 50, let's go. Ah. Ah non, c'est... Ah non, Crystal Volatile, non, je suis con. Salut Hugo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Un shot tout le temps à Reika maintenant. Ouais, ouais, c'est ça qui est bien. La route de nu vraiment intéressante, quoi. Là, comme ça, et là, hop. C'est Casimir, ouais, c'est Casimir, le mécanisme. Vas-y, vas-y, le temps. Putain, les plus jeunes ne doivent pas connaître, terrible. Sachino, elle est redevenue intéressante, ouais, sur Fairbase. J'ai encore trop plus. Eh, j'y arrive pas avec cet ordre, hein. Impec. Let's go! Ah, Tenshido déjà? Rai. Ouais, Yuzi, oui, oui. Moi, c'est Astral le plus simple du jeu actuellement, du coup. Le 10ème, le massacreur, il a eu un élan de... Oh, je vais le défoncer. Il a commencé à sauter, il s'est fait rec direct, hein. Ah, faut juste l'accélération est sur, sur le jeu. Avec, avec Speedcola. Seul truc qui manque, c'est un petit cartouchière de bandit pour transporter plus de balles. Ça, ça manque un peu. Je pense que je vais vider la machine de mort pour prendre une, un lance-flamme. Hein.
Putain, j'ai mis la machine mort, c'est pour recharger le SP du coup, c'est trop bien. Tranquille. Ça, pour tuer les zombies, je trouve que la machine mort est plus intéressante que le lance-flamme, mais... Vas-y, je vidais toute ma machine de mort, fuck. Mais le lance-flamme est bien pour les abominations, quoi. Il est vraiment très bien pour les abominations. Apparemment. Let's go. Hop. Tiens, je peux le faire en 2h, hein, sur 2h30, Cold War. En fonction des strats, ça dépend des strats, hein, bien sûr. Mais c'est le zombie où c'est le plus rapide de faire des manches sans, c'est normal, parce que t'as moins de zombies par manche. Ce grenade, c'est intéressant quand tu tournes le stick. Oh, le charpentier, merde. Merci beaucoup Hugo pour les 100 bits. Ça fait plaisir, merci à toi. Il est emmerdé celui-là. Hein. Ils me font chier là, les disciples. J'allume le lance-flamme. Et que du bonus. Où le tempête? Ah, il est là. Mon merde, disciple. Fin de manche déjà? Bordel. On n'a pas encore l'esprit sprinter en plus, hein. C'est bon ça? Ça c'est très bon. Hop. Ah, je te jure, Soulet. Bah, ils ont pris l'un des pires trucs de... de BO4. Les catalyseurs de glace. Merde. Voilà, pas la bonne arme. Élimination bonus, c'est mon jour de chance. Hop. C'est toi, Loki, comment tu vas? D'ailleurs, j'ai plus l'alerte des bits d'Hugo, alors je les ai loupés. Merci Hugo pour tes 100 bits, mais j'ai l'impression que l'alerte, elle a planté. À moins que j'étais dans la lune, c'est possible. À moins que j'étais déjà remercié et que j'ai une mémoire de poisson rouge, ce qui est aussi très possible. J'allume le lance-flamme. Menace éliminée. C'est déjà mort. Je pense que le lance-flamme plus un autre feu sur l'abomination, ça va être terrible. Hein. Ça va être un putain de délire. Merde, tu con. Ouais, Loki, je kiffe de ouf la map, hein. Y'a pas eu l'alerte, ok, ouais, c'est pour ça. Attends, j'essaie de la relancer, du coup. Voilà, voilà, Hugo, t'as eu ton alerte, quand même. Pour ce qui reste de balles, hop. Merci Axel. Comment tu vas, beau gosse? Dégage. Je pense à rester au rayon, c'est plus simple, hein. Tu tires comme ça, hop, si y'a un disciple qui te fait chier, il est derrière une caisse, bâtard. Ah. Salaud, viens là. Y'en a un autre encore. Ah, vas-y, ça rend fou. Il y a niveau 46, je pense que niveau 48, je commencerai à faire un petit intro YouTube. Qu'est-ce que je fais, moi? On va charger maintenant.
Ah, Carpenter, je prends. Oh, remarque. Remarque. Ouais, non, c'est bon. Merci beaucoup, Lucky, pour ton resub. Ça fait plaisir, merci à toi. On peut monter directement comme ça, je sais même pas, tu vois. Merci beaucoup, du coup, pour le 4e mois. Ouais, Riverside, cette saison, ils ont annoncé qu'ils allaient remettre Rambo et McLean. Hop. Et le massacreur. Il est mort. J'entends dire massacreur, non? Oh, je sais pas. C'est toi, Dash. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a les taxes d'XP. C'est vrai. Ça, on va essayer de viser plus haut. Genre, on va pas quitter au niveau 50, tu vois. Hop. Merci beaucoup, Lucky, pour les 100 bits. Pour Halo, oui, il y a un pack Ghostface Scream. Et ouais, Adonis, ouais, j'ai vu Lucky. Oh, je vais gratter des code points à Code France. Hein. Attends, pour les acheter, je vais pas me faire chier. Allez, let's go. Ça va bien. Ouais, j'avoue, tu as ta level 60. En vrai, c'est short d'atteindre le niveau 60. Vu que plus tu montes les manches, moins tu gagnes d'XP. Ah, il y a les tempêtes qui spawnent. J'ai un disciple aussi avec dans le tas là. Une abomination. Vas-y, on va tourner un peu avec l'abomination en vrai. Putain, disciple, abomination, tempête, frère. C'est bon, en plus. Prendre un risque, c'est pas grave. Ah, grimpe! Voilà, hop. Et là, mon pote. C'est vrai que le molotov, c'est pas mal aussi. C'est du feu. Dégage-toi. Il est pas mort. J'avais pas vu que mon anneau de feu était chargé et que du coup c'était le temps. Parce que le molotov il me permet de pile de charger mon anneau de feu, en vrai c'est trop bien. Je mets un molotov, après je suis tranquille. Ça me fait dépenser pas mal de matériaux quoi. Il bugait pas la tempête, ça me fait chier. Hop. Molotov parfait ça. Impec. Impeccable. Dark, tous ceux qui sont déjà en tuto sur la chaîne YouTube, pour l'instant, ceux qui sont connus. Merci beaucoup à Gavrel pour le follow. Et Ailey. Ali. Alei. Ailey. Je sais pas lire un pseudo, c'est terrible. Regardez. Et voilà. Je ferai pas de zombies spéciaux, donc on va pas se prendre la tête. Hop. Ah, la nuke. Chier. Vas-y, Lucky, merci pour tout, en tout cas. Merci de ton soutien. Et voilà. Comment charger un anneau de feu, vite fait, bien fait. On aura bientôt des corps jusqu'aux genoux. Ouais,
Let's go. Tac. Ah, ça coûte cher quand même un molotov, putain. Ouais. Ah ouais. Elle amuse pas assez de recul dessus pour dire. Voilà, ce que j'en pense. Ah, trois armes là, il me fait conseiller une molotov, ça me fait chier. Mange encore. Ouais, effectivement. Oh, molotov. Oh oui. Oh, je mange. Ça, je mange. Bien vu la commande, Mason. Très bien vu. On y passe, c'est comme la strat QVD machine, hein, c'est... voilà. En mode, on est là. Hein. Rajoute toutes mes balles. Et un deuxième disciple, j'essaie de le fumer. Y'a la bâtard. Voilà. Intéressant de faire ça. Hein. Dans la note feu, c'est ça tue plus de zombies, ça c'est bien. Allez, déjà mange 60 le chat. Ça fait même pas une heure. 1h25 de jeu, voilà. Ouais, Mouki, bah elle est ultra complète la map. Hein. C'est ça qui est bien. Ce que je reproche à Mauer et au final, celle-là, bah nickel. Oh, les tempêtes. J'ai entendu spawn cet enfoiré. Ah, j'ai pris cher. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Niveau 47. Casse-toi. Charge vite fait. Ah, toujours pas de tir malheureusement. C'est chiant mais bon. Je veux tester. Bordel. Tout ce que j'ai à dire, bordel. Pauvre. Non, Mouki, toujours pas. Toujours pas. Je pense pas qu'elle viendra. Hop, y'a des disciples, on s'est pas chier. Et là-bas. Yeah.
Encore un, putain. Font chier ces disciples. Ils m'emmerdent. T'entends ça, ils m'emmerdent. Ah, encore un autre. Je pense que c'est mon jeu de disciples, je vais me prendre la tête, je vais au Molotov. Hop. Ah, pas de rien, impressionnant. Bien sûr que non, Jim. Pourquoi? Pourquoi le serait? Dans ce cas, alors Die Rise est quasiment, on va dire, 80% des strats des zombies seraient des glitches, entre guillemets, du coup. Ouais, 75% plutôt des strats, des Iron. Dis-moi que là-bas, il a lâché un... Bon, j'ai assez de balles en vrai pour continuer. Faut prendre la mort instant, hop. Voilà. Charger vite fait. Hop. Ah, massacreur. Plus le temps. Un manche. Effectivement. Hop. On récupère le molotov, on récupère des balles. Et let's go. Attends, il est pas lâché de l'armure lui. Lui là-bas. Ouais si, il y en a. Un pec. Hop là. Ah ouais, elle est trop bien, Tira. Dès que j'ai entendu les notes de la version Maxis de Buried, j'étais en mode... Oh. Oh. Incroyable. Hein. Ah, c'est parti, les disciples. Ouais. En disciple, faut vraiment que je joue au Molotov. Zoom! Mathéo, je compte essayer la semaine prochaine. Je compte bel et bien essayer. S'attendre que le charpentier des pop. Let's go. Hop. Pas mal en matériaux. On va se racheter du molotov. Hop là. Dun. Ouais, Tira, ils abusent. C'est trop lourd les jeux maintenant. Surtout Call of. En vrai, là, y a pas de zombies spéciaux. Ah si. Ce petit connard là-bas. Mmh.
C'est une tempête là-bas, ça va. Encore un autre, putain, ils font chier. C'est malandrin. Viens là, toi. Viens là. Ouais. Oh, lui, Max, cool. Et déjà la fin de manche. C'est délirant la vitesse des manches hein, quand il y a du full super sprinter. C'est en délirant. Merci Joystick pour le follow, bienvenue à toi. Comment ça tira ça mon ref. Merci Jessie, je te remercie. Oh, je perds la tête, c'est terrible hein. Ah, je combine ça. Mais oui, je me suis dit, oh, faut que je sorte le Regan avant pour recharger mon arme. Mais c'est vrai que Mule Kick. C'est vrai, bordel. Ah, niveau 48, ok. Le rush, on est à combien de temps là? On est à 1h37 de rush. Ok, du coup, jusqu'à ce que je passe niveau 50, les gars, je vais arrêter la musique et je vais faire un rec sur un rec, en gros, pour pouvoir avoir mon passage au prestige. Du coup, c'est le 24, c'est ça? Merci beaucoup, Sylvain, pour le follow, bien et toi. Bon bah, c'est parti pour le grind du maître prestige de la dernière saison de Cold War, les derniers prestiges du jeu, dans cette vidéo. Donc voilà, Twitch, on est en live sur YouTube, on est en live sur Twitch actuellement. Donc actuellement, nous sommes niveau 48 de la saison 6, on va pouvoir passer du coup, pour ma part, ce sera le prestige 24, voilà, vu que je suis déjà prestige 23, qui était le max. Là, ils nous ont rajouté du coup des nouveaux prestiges avec cette saison, le prestige 24, 25, 26 et 27. Des balles, pas de balles, j'en rachète, c'est pas grave, hop. Tac, on va se mettre en place. C'est toi, Dark, comment tu vas? Merci beaucoup, Levox, pour le Prime! Deuxième mois de sub, en plein avec YouTube en plus, ça fait plaisir, merci du soutien. Merci d'utiliser ton Prime ici. Ouais, je venais sur Twitch, mais oui, tu vois, t'as, faut que tu viennes sur Twitch. Ah, il y a des disciples, donc j'ai dit, on se fait pas chier. Hop là. C'est bon, il est bien envoyé en plus. Hop, toi, tu dégages. Et donc, ouais, bah dans cette vidéo, on se tente en gros un manche 100 sur. 10. Sur. J'allais dire 10 machines. Vieux réflexe. Sur du coup Forsaken et puis voilà, on va passer du coup notre prestige 50, notre niveau 50 de la saison et donc le prestige 24. Et comme d'hab, hein, voilà, c'est le petit moment gameplay. Après, on va dans les menus histoire de voir ce que donne d'être niveau 50 à la, enfin ce que ça fait d'être niveau 50 à la saison 6. Et puis bah voilà, normalement je crois qu'on a un blueprint exclusif sur une arme si on est un niveau 50 à cette saison. On a quelques petits ajouts sympas comme d'hab, bah clé de prestige, tout ça normalement. Enfin, par contre, le disciple va me faire chier. Et mourez s'il vous plaît. Mais du coup voilà, si vous êtes sur cet épisode qui sera du coup le dernier rush maître prestige de Cold War YouTube, explosez-moi la barre des likes bien évidemment hein. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper du coup le rush maître prestige qu'on aura à faire sur Call of Duty Vanguard Zombie. Donc voilà, activez la cloche des notifications, tout ça tu connais bien évidemment. L'abonnement, les likes, le commentaire et puis bah voyez-vous. Ok, c'est déjà la fin de manche. Tout va bien. Pas prendre l'insta parce qu'il faut que je recharge mon spé. Hop! Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut voir notre avancée? Ouais, on voit notre avancée. C'est bon. Ok, ok. Et un double rec YouTube. Donc, c'est dire que ceux qui regarderont la rediff là, ils verront le début de la vidéo passage au maître prestige de la saison 6 en avant-première. Trop de productivité dans le Fabrics Corp. C'est terrible. Hop. Du coup, strat complètement broken. Je pense qu'elle va être patch un jour en vrai. Sur. Ils vont faire comme la cuve pour le camion, c'est sûr et certain. Attends, d'ailleurs, on a pas de zombies spéciaux, donc on va pas se prendre la tête. Hop, petit coup de hache. Sarias, tu plantes zombies. Et nous, on est là, voilà. Ouais, ça, tu vois, c'est YouTubeception en fait. C'est littéralement une YouTubeception. Hop, on repasse au Ryan, on retire, let's go. On se met bien. Tac, on repasse à la chrysalax, parce qu'on a pas de zombie élite, hein, je m'embête pas. D'ailleurs, faut que j'aille me racheter des molotovs, j'avais pas vu.
Du coup, j'ai eu 1300 Mathéo, je suis bien. A voir Mathéo, je sais pas. On verra bien. Et hop. Merci bien. On reprend des Molotov et on est reparti sur notre petit camtar. Let's go. Et attends. On n'est pas 10 000 points près, on peut s'acheter un petit peu de balles. Ouais, de ouf, tu vois, t'as la même, hein, clairement. Nazax, il y aura des nouveaux prestiges, donc prestige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. C'est vrai que je pense que le système d'XP va être vraiment comme Cold War, mais avec des nouveaux prestiges, en gros. Allez, dégage. What? Mimic? J'ai tiré un endroit, il y avait un mimic qui attendait. Bonjour monsieur le massacreur, comment allez-vous? Toujours plus de zombies spéciaux en fait, là, de ce que je comprends. Encore un mimic que j'ai fait spawn, putain. Tranquille. Il s'est fait foudroyer, le pauvre. On arrive déjà à la fin de la manche. Voilà, voilà. Voilà, voilà la rapidité des manches de Cold War. C'est un délire, c'est ouf. Hop là, je suis full partout comme ça. Ah, Bananas, cette technique-là, elle était déjà à 7h du matin. Donc une heure après sa sortie. Ciao, ouais, je fais plus la moitié du niveau 48. Moitié du 48. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de disciples. Donc let's go. On se régale. Hop. Tu vois, t'inquiète, mais moi quand je chiffre, je pense tout le temps, voilà. C'est un peu l'esprit beauf, qu'est-ce qu'il veut. C'est un peu l'esprit beauf. C'est longtemps qu'on n'a pas eu une abomination, il est moins qu'on en ait à ce manche. Reponta. La méga abomination. Comment il va depuis tout à l'heure, le Fanta? Oh d'ailleurs, Fanta, d'ailleurs, je sais pas si je t'avais posé une question, mais je savais pas si t'étais là. Et si t'étais là, j'ai pas vu ta réponse, je pense. Est-ce que tu sais si on aura une saison 6 rechargée? Toi qui es un petit peu le reporter de la Flappix Corp, voilà. Fanta TV pour vous servir. BFM Fanta. Mais ça, moi, je crois que t'es un Pokémon rare, en fait. Dark, j'ai très peur. J'ai vraiment très peur du fait que Treyarch s'occupe de Vanguard. Parce que, vu l'état du jeu après 11 mois, qui est une honte, ça me fait... Je suis pas rassuré, quoi. J'ai pas envie de faire une deuxième année comme ça. Tu vois, un an, ça m'a suffi. C'est bien. Ah, niveau 49. Allez, plus qu'un niveau pour passer premier précis de la saison. Ouais, il va mourir. Voilà. Charger vite fait. En principe, oui, juste avant la sortie, genre 2-3 jours. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, dégage. Il a dégagé façon DMC. À l'époque. Merci beaucoup Zeta pour le 8ème mois de sub. Mac, les DLC sont gratuits, on le sait déjà. 8 mois déjà. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux te battre? Ça? Allez, brûle. En enfer. Connard. Oh, des points, trop bien. Je suis content.
Ah ok, donc ouais, on aura une saison 6 rechargée quand même. Faudrait qu'il la sorte une semaine avant en vrai, ce serait mieux. Avant Vanguard. Petit disciple, je peux peut-être quand même charger le spé en vrai avant qu'il y ait les zombies touchés par le disciple qui se ramène. Allez, let's go. Ok, il est là-bas. Mort. Mange disciple, c'est dire je mange de molotov pour être tranquille. Il y en a deux même. Hop. Ouais Fanta, ouais cette source il s'est trompé quelques fois mais en général très safe comme source. Très fiable plutôt je devrais dire. Bah déjà fin de la manche, let's go. Cette rapidité quoi. Je suis sûr que c'est pas la strat la plus fast de la map. Je suis sûr. Soulet c'est tranquille avec l'anneau de feu. Pas de zombies spéciaux ? J'ai pas l'impression, donc... Let's go ! Ah si, massacreur, ouais bah ça c'est massacreur. M'en fous un peu. Surtout ces tempête ou disciples, je garde leur gun pour les tuer facilement sinon ils me font chier. Même pas 3h. Ouais, 2h30 max et c'est claqué le manche-sang. Exi, merci mon amour pour ton host. J'espère que ton stream s'est bien passé. Ah, t'arrêtes déjà? Déjà? Ah, je suis tombé. Ça fait quoi du coup quand j'ai des cales? Hop. Let's go, on est bien. On est très bien. Hop. On est où dans le niveau? Ouais, bientôt. Attends. Toujours ce bug non corrigé. C'est pas grave. Ah bah oui, c'est Rixi, t'as lancé à 20h. Bah oui. J'ai oublié. Ah, t'as refait le secret, t'as fait avec qui du coup? Et j'ai eu des bugs. Oh, étonnant, tiens. Étonnant. Et hop. Dégage. Toi aussi, dégage. On va tuer un peu devant nous. On va gérer le disciple là-bas. Hop. Vous avez fait ce... Bah trop bien. Trop en plus si vous l'avez réussi. Ah merde, peut-être que je tire sur les zombies moi. Mort le disciple. Le tempête. J'ai pas fait gaffe. Ouais, ça a l'air. Plus fin de manche, let's go. Déjà à 74.
Hop, recharge vite fait. Je vais en prendre des molotovs au passage. Niveau de mon lance-flamme, je suis combien? 53, ouais, ça doit suffire. Molotov, hop. Elle m'a donné envie de quitter PTDR. J'ai pris un TP, ça m'a fait passer dans le mur au lieu de me TP. Je suis mort dans... Ah bah ça oui, c'est ça, classique les TP sous sa map, c'est... Des fois ils te font passer sous la map aussi. Voilà. Et dans le mur, tu vois, j'étais pas au courant de ça. Ah, et tu as lui filé plein de bugs à Kenshin là pour sa compile. Incroyable. Hunter, le secret, c'est que je pense qu'il est trop bidon. Les étapes sont sympas en soi, mais le secret est beaucoup trop bidon. C'est trois étapes littéralement si tu comptes pas la crise à l'axe. Hein. C'est Dina, secret de l'époque Black Ops 2. C'est décevant. Mais le boss a un flow de bâtard par contre. Hein. Ça. Allez. Incroyable quoi, sur l'abomination. Oh non, j'ai pris Charpentier. Yakuma, c'est à ce point là. J'ai contaminé Exil au chat, hein. J'ai vraiment contaminé en fait. Il y a une mauvaise arme. Et le niveau 50, let's go. Du coup, prestige 24 et niveau 50 de la saison. Alors on a débloqué comme d'hab un saut de passage de Battle Pass. On a également débloqué du coup un nouvel icône de prestige. Hein. Je ne vois pas parce que c'est bugué, ça s'actualise pas. Autocollant emblème. Et... Ah oui, une variante. Bah du coup on verra ça au niveau de la vidéo du coup sur... Bah quand on aura terminé la partie quoi. Enfin surtout on va passer directement aux récompenses, voir ce qui nous a donné dans les menus. Alors on a combien de temps de rec? On est à 1,52. Voilà. Ah, j'ai pas vu que j'ai déjà ça moi. Ah, mais y'en a un qui passe derrière moi. Oh, il me fait peur. Oh, j'étais pas prêt. Putain, mais qu'est-ce qui me tape? Attends, je suis en train de. Mais il me saoule. Allez, redonnez-moi mon shield, merci. Oh, pff, 1000 max en plus. Super. Hop. Poulet. Poulet. Oh bordel. Ici à quand les mots de poulet. Un peu là. Pas touche à mon poulet. Oh bordel. Le fameux légendaire poulet quoi. Histoire d'être tranquille vu les points qu'on a. Hop là. Je serais partenaire. Ah, je... ah, ah oui, c'est vrai que t'as déjà tout est sur le démo, putain. C'est vrai. Allez, les gars, faut vous sub à la plus belle des streameuses, bien sûr. Oh putain. Salaud. Oh, j'ai le foudroyé. Il est où? Là. Dégage. Ah, disciple. Donc, ça va être une manche Rayon. J'ai bien fait de reprendre des balles au cas où. Ça me tire 3 chez XI. Eh, moi aussi. Obligé pour les émotes des chars, moi je veux. Oh, il m'a poussé dans le feu, cet enfoiré. Tiens, y'a plus de zombies spéciaux, je suis tranquille.
Je crois que c'est une petite fin de manche, hein. Ouais, ouais. Toi, pas le coup que j'aille, que je rebalance un molotov. Ne vaut point le coup. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Un qui va lâcher un peu de shield? J'ai faim de racheter du shield juste pour ça. Oh si, gentil massacreur, merci beaucoup monsieur. Fenêtre fermée. Moi aussi j'ai oublié, j'ai que si sinon tout le monde est ban. Tous ceux qui le font pas, ils sont ban. Le petit chat. Les petits chats. Dang. Merci beaucoup Valdo pour le resub du 11e mois. Et là, merci pour ton flow, j'ai pas vu. Comment est-ce qu'il va le Valdo? Ça fait très plaisir, moi, gosse, merci à toi. Bon, mal va. Ah, retour d'un disciple. Avec sirop de tout partenariat. Le grind. J'arrive pas à sortir mon gun, what the fuck. J'ai dû spam la touche pour le sortir. Trop relou. Ah. Bah yes, très utile celui-là de faire. Je suis content. Bon, pas mal. Je suis un peu un génie des fois. Mais non, t'inquiète, Exi. Objectif pour en 2022. À quand le top 100 streamer? Ah. Déjà le top 1000. Le top 1000. C'est l'objectif. Bah Akuma, faut aller suivre le meilleur compte Insta Yuki Ayato. Puisque c'est aimé ça. Enfin, c'est ça de ma copine, maintenant c'est un petit peu les miens quoi. C'est la fin de manche. Encore du spawn, j'ai rien dit. Tu fais de la merde. Hop, hop, hop. Tac. Ah d'ailleurs je peux remettre la musique vu que j'ai fini mon truc pour voilà. Attends quand même. Ah t'es quoi en vrai pour l'instant non, je verrai plus tard. Pas très bon ce que je vois arriver là. Allez, dégage. On va vider notre lance-flamme du coup. Hein. Défi, je me demandais comment le faire, bah voilà, vous avez trouvé comment faire le défi de cette saison. Putain, trop bien, je suis content.
crois c'est la fin de manche. Ouais ouais. On va mettre l'anneau de feu pour rien. C'est un petit peu bête. Ah, j'ai peur lui. T'y con va. Tiens, prends-toi ça. Ok. Eh ben mange 80 déjà le chat. C'est bien, on est vraiment bien là. C'est quoi le défi? C'était tuer un margois, enfin une abomination pendant qu'il est encore ses trois têtes. Attends, quoi Dark? Comment ça, mon ref? C'est pas normal ça, dis-moi. J'ai un doute de l'avoir tué. Quoi, je l'ai pas eu? Merde! Oh, j'ai appuyé sur la touche sans faire exprès. J'ai la haine. Je crois que ça le charge assez. Ouais, non, pas assez, dommage. On va tenter comme ça. Ouais, normalement, j'ai le temps avant que les zombies touchés par le disciple arrivent. Ouais, c'est bon. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Au revoir monsieur. C'est un plaisir d'avoir côtoyé ce camion avec vous. Voilà. T'as vu qu'il s'est arrivé déjà. Merci pour le follow Sina, bienvenue à toi. Eh les manches, c'est impressionnant, vraiment. Et j'ai oublié de reprendre un slam, putain. Faut-il en slam? Du shield aussi, hop, allez on est full. Merci Kishta pour le follow, bienvenue à toi. Et Matisse également. Merci vous les beaux mâles. T'es en forte la strat, ouais elle est incroyable. 49, attends, hop. Voilà. Je vais pas te passer le 51. Ah si, c'est bugué. Super, pour changer, bug d'XP, bug de niveau, tout ça. Comme d'habitude, je finis avec le cul. Ça m'a l'opotilé en flamme. Histoire de péter un... une abomination là. Akuma sera le shaker bleu et gris. Et t'inquiète pas, je t'ai dit, je m'en occupais début de semaine prochaine. C'est juste que comme là, c'était le grind intensif de la sortie de Forsaken, ce sera avec le goût original, qui est mon goût préféré. Donc ouais, ce sera exactement la même. Tira, ouais, je l'ai lu. Et franchement, ouais, genre à peu de choses près, j'étais trop d'accord avec toi et tout, tu vois. Bordel. Mais ouais, ce sera exactement le même, Akuma. J'envoie tout ce qu'il faut à Gunnar et tout. Enfin, je te demanderai du coup tes informations en MP, du coup. Voilà. Farid, pff, c'est bidon, hein, c'est... Cold War, mange 80, c'est rien. C'est vraiment ultra bidon, c'est Cold War. Vous devez continuer à tenter de survivre. Voilà. C'est insane. Putain, j'arrive pas à voir le tempête, ça me fait chier.
Ouais, non, c'est le goût original qui t'aura à quoi. Oh non, le charpentier, je me suis trop avancé. J'ai fait la merde. Chier. Fin de manche. Let's go. C'est très difficile, non Zeus, franchement non. Il est ultra ultra simple. Mathéo, ça dépend des montures. Avec un casque, du coup c'est pour le jeu, je te conseille plus la gamme gaming puisque t'as la gamme bureau. Et la gamme bureau, bah, c'est là où il m'a père préféré. C'est-à-dire les rondes, tu sais, à la Harry Potter, tu as les Gunnar Ellipse que je mets tout le temps. Mais le problème, c'est qu'elles ont des branches vachement grosses, en fait, ça fait un peu mal avec un casque. C'est normal, celle-là, c'est pas des lunettes gaming, hein. C'est pas fait pour aller avec un casque, hein. C'est plus du lifestyle bureau. Donc, clairement, je te conseille plus de regarder la gamme gaming. En général, tu regardes, y en a plein avec des branches fines, et voilà. Ouais. Et avec un casque, hein, la gamme gaming, du coup, bah, comme elles sont ultra fines, tu les sens même pas avec un casque, hein, franchement. Selon le lifestyle, il y a les nouvelles, il y a le modèle Apex qui est celui que j'ai, celui-là. Et les branches, tu les sens pas avec le casque aussi. Elles sont ultra, ultra bien. Donc voilà. Non, je l'ai horreur aussi, Merlu, mais c'est juste que je m'en sers pas, il me sert à rien. Charger vite fait. Des pop devant nous. Tuer sans foirer. Retirer devant nous. Oh, y en a un autre. On occupera après de l'autre en vrai. Prochain anneau de feu. Niveau 52, let's go. Et il est parti à perpète le ref. Hop. Encore un autre. Juste derrière. Ça, ça va conserver 2 molotovs là, 3 armes. Ah, j'aime quand ça fait ça. J'aime quand ça fait ça. Bah, est-ce qu'il y a des lunettes type aviateur? Ouais, attends, je pense, hein. Genre, attends, aviateur, je suis pas sûr d'avoir la même définition que toi, frérot. Je vais check ça au pire, vite fait. Nice, dans la... Enfin, ouais, plus... bleu, gaming, ordinateur, bureau, je pense. Je peux checker ça pour toi, vite fait, si tu veux. Il me semble qu'il y en avait, j'en avais vu des... Ouais, ça, Maverick. Je pense que c'est de ça que tu parles. Capture d'écran 2, hop. Un peu celle-là. Et en gold, un peu rosé, et... Putain, elles sont aussi en vert. C'est ça que tu parlais ou pas du coup, BG? Donc je suis pas sûr d'avoir la ref de lunettes aviateur. Martien, c'est être... sauf si tu veux changer. Tu peux checker, au pire check sur le... Attends, faut voir avec le pack Flappy, c'est ce qui est compatible. Oui, ça, magnifique. Ouais, bah voilà, c'est... Ouais, je te confirme, gars. Tape sur Internet, ce que tu trouves pas sur Gunnar Direct, je sais pas pourquoi. Akuma, tu tapes pack partenaire Flappy Gunnar. Et tu peux regarder, t'as un choix de perte de mon... Voilà, et tu me diras du coup celle que tu veux avec le pack. Parce que c'est pack partenaire, en gros, que tu vas gagner avec Gunnar. Donc le mug, etc., quoi, toute la panoplie. Le petit kit de nettoyage, les petits stickers. Tout ça, quoi. La catégorie bureau, c'est la Mathéo. Mais c'est vrai qu'elles sont stylées, putain. J'ai l'impression qu'attends, les branches, c'était ultra fines. Je l'ai gratté à Gunnar. Je suis même sûr que du coup, les Maverick en style aviateur, elles passeraient de ouf avec... avec un casque, hein. Et ces bureaux, je pense que, vu que c'est les mêmes branches que ça. Ça, c'est pas les branches de mes ellipses qui me font un peu mal avec le casque. Ah, c'est même avec un casque, je pense que ça va pas faire mal, putain.
Oh, je vais envoyer un petit message les canards, je vais faire oh, vous savez, je vais être en avant une de vos paires de lunettes. Tant qu'à faire, attends. Ah, l'insta qui fait un peu chier. Remarque, elle va disparaître au moment où je devrais charger le... En fait, non, c'est bon. En fait, c'est bien. Juste que je veux charger mon spé, c'est pour ça que j'aime pas prendre les insta. Juste tromper de sens encore pour la molette. Grattage des familles, bah... Non, en vrai, je peux la gratter tout de suite, ils viennent quand même de m'envoyer celle-là gratuitement, hein, donc... C'est professionnel de lunettes, ouais, je suis un petit panopticien, quoi, on peut dire ça, ouais. Elle mange 85, hein. Parce que Elix, ils peuvent pas monter, c'est trop haut pour eux, en gros. C'est débile. Pas une yoke, pas une yoke. Ça. Sérieux, je sais pas, moi je m'intéresse pas au World Record, surtout sur, sur Cold War où je trouve les World Record un peu... C'est juste une bataille contre les crashs ou alors juste de l'endurance, quoi. Y'a pas de... d'aspect, challenge, truc compliqué ou quoi, donc ça m'intéresse pas du tout à les World Record sur Cold War. C'est vrai que vous jouez un peu Regan. Ah, la nuke. Oh, ça... Ah bonjour monsieur, comment allez-vous? On se serre la main? Salut. Comment tu vas frérot? T'as pas l'air en forme par contre, ferais peut-être que t'ailles chez le médecin je pense. Tu dois couper quelque chose. Je pense qu'il couvre quelque chose hein, clairement là. Pas très en forme. Même comme ça s'il vous plaît. Genre vous appelez le cadavre typose. Oh, vous appelez comme vous voulez le clip tant qu'il a un nom. Ah, disciple. C'est ce que ça veut dire. Ah bon, en plus on a ça. On a la totale. Bonjour. Au revoir. Il ose spawn derrière moi lui en plus. C'est ça le fou. C'est pas à qui il a affaire. C'est pas. Avec si tard, ce soir tard, parce que j'ai encore le tuto renseignement à bosser pour demain. Il faut que je refasse le secret avec mon compte secondaire, en gros. Pour relooter les renseignements qu'on a lootés pendant le secret en fait. Ah, fait peur lui. M'a surpris plutôt. Comme ça, j'essaie de claquer le tuto renseignement ce soir. Et comme ça, demain, en me levant, bah, je pourrais faire le tuto préparatif complet pour faire manche sans. En solo, sans coupure, quoi. Vous ayez la strat manche sans en vidéo. Va falloir te calmer là-bas. Ou le charpentier, non. Surtout pas. Je vais reprendre le truc de Molotov, par contre, ce qui me reste qu'un seul. Hop. Non, ça, il me reste combien? Ouais, je suis large. Ok.
L'évacuation n'est plus disponible. Merci pour le clip à Mason encore. Merci à toi, beau gosse. L'ellipse, du coup, Akuma. Genre, attends. Petit essai, les gars, en mode tac, hop là, bien sûr, tac. Voilà. Petit essai de perte, de toute façon, j'en ai partout ici, c'est terrible. Salut à tous, c'est Secrétaire Flapix, comment allez-vous? Ok, Akuma, je note l'ellipse. Et du coup, si vous êtes intéressé pour protéger vos yeux des écrans, c'est pas sponsor parce que je suis pas payé. Enfin, je gagne une petite commission sur le code promo que vous utilisez. En gros, je touche les 10% que vous avez de réduction, bah je les touche en gros. Et bon, surtout parce que bah j'aime ce marque tout simplement, mais pensez à protéger vos yeux des écrans. Hein. On passe beaucoup de temps devant un écran par jour. Paire de lunettes Gunnar, c'est une a prix pas trop élevé. Il y a tous les prix de toute façon. Des montures à presque 100 euros, autant il y en a à 40 balles. Mais si vous passez beaucoup de temps devant un écran, protéger ses yeux de la lumière bleue, c'est pas mal. Si vous n'avez pas les moyens, bah il y a beaucoup de PC, téléphones qui ont un mode un peu filtre jaune aussi. C'est bien activé un petit peu surtout le soir. Vas-y, ça marche, Akuma. De toute façon, je te dis, je pense lundi matin, je t'envoie un message. En mode, eh vas-y, file-moi l'adresse, file-moi, file. Et déjà manche 88, ça ne s'arrête plus les manches, c'est un délire. Massacreur. A l'air d'avoir disciple à ce manche, du coup ça joue Chrysalax hein. Très archigal bug, ouais, un petit peu. Vas-y Mason. Bah sous l'F, bah Sia c'est... On peut pas trop juger. Parce que Treyarch ils ont fait beaucoup trop de trucs quoi, ça fait 10 ans. Infinity Ward ils en ont eu un seul. Et Sledgehammer ils ont dû faire suite à W alors que le jeu devait sortir. Et donc entre guillemets ils en ont fait vraiment un seul qui est celui de World War 2, donc on peut pas trop comparer quoi. Du coup forcément par défaut c'est Treyarch parce que voilà quoi, c'est... littéralement 10 ans de jeu quoi. Enfin 10 ans de zombies même plus. 2008, ouais, ça fait 13 ans cette année, quoi, le mode zombie, donc pas vraiment dire. Mais après, en termes de qualité, pour moi, c'est Infinity Ward. Parce que pour corriger les bugs et tout, ils sont juste beaucoup trop forts et rapides. Je trouve pas le gif que je veux pour répondre à proxy. Leve là. Voilà, hop. Ok, là c'est les disciples, donc ça va être une manche à jouer au Molotov. Du chien, il m'emmerde un peu. Et qu'en plus, ça le tempête. Attends, hop.
Voilà, des cibles directement gérées, ça c'est bon. Mais un deuxième, je pourrais pas l'avoir pendant le... Oh, j'aurais pu. Dommage. Pauvre disciple, quoi. Il est mis dans le feu, il s'est fait cramer le cul. Ouais, la même, Coco. Exactement pareil. Bon, on a eu assez de zombies spéciaux pendant pas mal de manches, là. Je pense que c'est une manche full zombie. D'ailleurs, mange 90, j'avais pas tilté. Ah, c'est une abomination. Allez hop. C'est délirant. C'est ça, Dark, c'est la bêta Cold War. En fait, Cold War, c'est la bêta zombie de Vanguard, hein, en fait. Voilà. Pas trop s'avancer. Ouais, c'est ça, Dark, exactement. C'est pour Vanguard. Ouais, Padre, moi aussi, j'ai eu l'impression. Je sais pas, d'avoir une bête à trois têtes. Mais ça devait être, je pense, une hallucination. Ah! Tu peux attendre deux secondes, s'il te plaît, méchant de bête. D'accord, tu veux pas attendre. Non mais je te comprends. J'aimerais bien juste me charger. Voilà, la notion. Hop. J'allume le lance-flamme. Fin de manche ? Oh, what the fuck ? Il va faire ça, hein. Oh wesh. Attendez pas à ce que soit déjà la fin. Non, je vous laisse. Non, putain. Bon, après ça, j'ai 5000 matériaux bleus. Ils me servent à rien, donc bon. Mais pas mal, quoi. Non, pas mal. Ouais, vas-y. On va se remettre à fond. Là aussi, hop. J'ai cru que c'était un... J'allais dire, oh, vous avez vu le mimique là-bas? J'ai oublié que c'est ma machine de mort que j'ai acheté bêtement. Là, je sais pas, moi, je fais que du solo en run. À plusieurs, c'est trop long, c'est trop chiant. Ah. Mange tranquille sans disciple et sans tempête. J'espère. Ah, ça m'en a tout l'air. Il y a combien d'ailleurs? 53. Me retire la vie, mais j'ai récupéré instantanément quoi avec l'arme. C'est délirant. Merci beaucoup, Shock, pour le follow. Bienvenue à toi. Sirius, non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais celle-là, je trouve, c'est la plus rapide parce que le spawn ici, il est assez fast en vrai. Ah merde. Oh, oh. Le petit choc du joueur français. C'est bon, c'est passé. Il était trompé d'arme. En vrai. Ah dommage, c'est la fin de manche. Ouais, vas-y, ça me serait, je suis pas full, hop. C'est toi, le boubos, comment tu vas? Comment tu vas, beau gosse? Raptor 1 reviendra. Persévérez. Gardez vos distances, connards.
Bon là, on a du disciple. Très débile ce que j'ai fait pour des munes. T'as toujours plus de zombies spéciaux, frère. On va récupérer un peu de balles. En plus, un molotov, let's go. Ah. Oh, il est mort. Ah, David, tente le speedrun sur Farsaken. Je pense qu'après le manche-sang, j'irai faire mon tuto renseignement, le chat, en vrai. Attends, on va se prendre un peu de shield au pire. Hop. Pas assez de recul pour juger la map pour l'instant. Vu qu'il n'y a pas de zombies spéciaux, hop. Rien d'impression, j'aime bien. Bonne surprise la map, voilà. Secret un peu décevant. Un peu trop bidon. What the fuck, ils prenaient pas des dégâts eux. Ouh, bizarre. Bizarre. Un mimique en plus ça va être la merde. Allez, c'est sûr. Ah, oh, ça me fait rappeler la Firebase Z. L'enfer. En vrai, je vais pas me faire chier, hein. Ah, mais il m'emmerde lui, hein. Ah bah. Bon, ok. M'emmerde. Donc là, c'est une erreur de prendre l'insta. Giga grande. Non, en vrai, elle est pas si grande que ça. Surtout qu'en fait, elle a plusieurs étages, tu vois, avec tous les bâtiments. C'est ça qui lui donne un peu de grandeur. Sans superficie, tu sais, si tu fais le mètre carré de la map, dire au sol, pas tant que ça. Genre, ouais, elle est quand même pas mal grande, mais c'est pas la plus grande qu'on ait eue. Allez, 94, let's go. Mais elle bosse, pour l'instant, je préfère. J'ai dit bien pour l'instant, parce que pour l'instant je donne pas d'avis sur la map, hein. On n'a pas assez de recul, on peut pas dire si elle est bien ou pas, faudra attendre de voir parce que c'est un petit peu, tu sais, l'aspect, l'effet un peu nouveauté, c'est en mode, oh putain, incroyable. Vu que c'est nouveau, il faudra attendre avec du recul. Il y a des zombies spéciales. Oh, c'est l'abomination. C'est très chiant parce qu'il est un peu loin pour mon lance-flamme. Chier, pas dû attendre. D'accord, ça n'arrête pas. Je pensais que ça arrêtait, mais pas du tout. Oh le con. Je pensais que c'était bah, un projectile. Et du coup, que ça allait stop mon truc. Enfin, mon truc allait stop, voilà. Le tir de l'abomination. Il
Ouais, c'est bizarre, les zombies ils prennent pas de dégâts de l'arme. Chelou. J'avais pas vu celui-là. J'ai pas compris, Sirius. Pas une fin de manche là? Ah si. Zeta Skyward, comment tu vas? Merde, je vais te reprendre des balles, je suis con. En plus, il y a une tempête. Et du disciple. La totale, c'est reparti. Passe-toi. Niveau 55, let's go. Allez, il se cache. Voilà, c'est bon. Ah, je voulais prendre un risque premium max, pire connerie à faire. Encore un disciple là-bas. Hop. Du coup après on ira retenter le secret. Mais avec mon compte secondaire. Un compte où j'ai pas encore récupéré les renseignements pendant le secret quoi. Ouais, je sais pas, assez de recul hein. Moi sinon avis si jamais vous avez besoin de toute façon. Ok, 96, on y est presque. Pension avis dans le chat. Du coup, si dans le chat, hein, vous voyez des gens qui demandent l'avis, vous faites pension avis. Et comme ça, au moins, ils auront la réponse sans que je répète toutes les deux minutes la même chose, quoi. Ce sera plus simple. Pareil, si vous avez besoin d'un tuto secret, il y a le tuto secret dispo sur ma chaîne, je le rappelle. Y'a un mauvais arme, oh là là, merde. Compliqué, c'est bon, ça passe. Secret dans le chat, vous avez le lien du tuto comme ça. Envoyé par le petit Nightbot. Ah c'est la fin de manche, j'aurais peut-être pas dû mettre un homme de feu, je suis débile. Ouais, je suis totalement débile. Viens là, viens là, viens là. Tac. 97, allez. On se finit-il à la soirée du coup. Après Naron, je vais faire le secret de Forsaken, faut que je le fasse.
mais avec mon compte secondaire parce que j'ai pas filmé les renseignements qu'on loot pendant le secret et demain je veux sortir le tuto renseignement. Et du coup c'est compliqué. Du coup faut que j'aille refaire le secret mais avec mon compte secondaire. Oui, il y a moyen. Ça étonnerait même pas. Je m'espère pas, t'as vu la facilité le temps que ça nous a pris hein. On refait ça demain soir s'il faut. Oh merde lui. Bah Narbonne si tu veux en vrai. Tu vois sinon je dois le faire solo et solo c'est un peu chiant c'est pour faire les raids et tout. Donc en vrai si tu veux qu'on le fasse. Au pire si on trouve deux autres personnes. Vas-y Narbonne viens si tu veux venir moi ça me dérange pas. Faites-moi pas chier pour lui. Il s'est fait foudroyer le pauvre. Fin de manche, let's go. Ah si, oh, moi c'est demain soir aussi je tente solo. On stream le chat, demain soir on rappelle le stream à partir de 20h. Ironhide en Dark Meter, Ash en Dark Meter et Secret Solo. Ah. J'ai entendu un bruit de mob qui me plaisait pas. Vas-y, t'as accès au salon live sur mon Discord, Narbonne ou pas? Je sais pas si mon Discord est VIP. Si jamais te l'es pas, tu mets un petit message dans le général et je te mets le rôle comme ça. Eux qui me font chier là. Et j'ai accès, bah let's go. Trop bien. Et comment est-ce qu'il va, Virus? Venez, on ramène Proxy dans le traquenard. Merci beaucoup Jean-Mich pour le follow, bienvenue à toi. T'es caché derrière l'enfoiré. Je suis con. Oh, je peux prendre le Mimax tout simplement. Je suis débile. Et 99. Ah, Narbonne, en vrai, je pense que je suis là dans 5 minutes. À peu près. Ah, Fanta, toujours dans les bons plans, Proxy. Toujours. Non, mais c'est parce que j'aime bien jouer avec lui. C'est mon petit Proxy. Je sais pas si David il est pas allé se coucher au pire. Ah, j'aurais dû lui envoyer un message, trop con. Se trouve, il allait dormir. Vas-y Narbonne, j'arrive. Là je fais la 99, je fais la 100, exfiltration et je suis là. Merde, je vais recharger mon arme, je suis con. Au niveau 56, je pense que je suis bon là, pour, en plus avec une exfiltration pour les niveaux. Je me demande combien de niveaux je vais perdre. Il est où le massacreur? Il est mort? Tiens, j'ai même pas vu mourir. En plus, tu vois, moi, du coup, demain, vous y allez à la rediff dimanche sans.
Hop, c'est le temps de recharger ça. Oh oh. J'allume le lance-flamme. J'étais pas dans la série. Je sens ce que j'ai dit dans le live, enfin dans la vidéo du coup qui est sur Flapixé. J'ai dit il faudra qu'on le refasse pour la série, du moins le sens sur toutes les maps. Et c'est la rediff classique de quand une map sort en mode nos débuts. Le chat, ne serait-il pas temps de mettre des émotes Runson dans le chat? Le chat Twitch là. Il me semble que si, c'est le bon moment, effectivement. C'est le moment de mettre l'emoji Runson. Du coup, effectivement, ce live sera en rediffusion dès demain, 14h, sur la chaîne YouTube Flapix TV. Voilà. Et du coup, pour le manche-son à la Flapix TV, hein, pour ce nouvel épisode du manche-son sur toutes les maps, on lâche les likes, évidemment. On like cette vidéo et surtout, on s'abonne pour qu'on pète les 100 000 abonnés sur Flapix TV, c'est l'objectif. Maintenez les 100 000 sur cette chaîne secondaire. Flapix TV, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit abonnement, évidemment. Et la cloche notification, une nouvelle vidéo tous les mardis, jeudi et samedi. 3 vidéos ont eu bonus quand même sur cette chaîne secondaire. C'est pas rien. J'aimerais bien le fumer lui pendant le... Ah nickel. On va pas se faire chier hein. Hop là, pour la fin, pour la dernière manche. Rio, pas tant que ça en double XP là, je sais pas j'ai fait combien, je sais pas j'étais quel niveau avant la game. 36 je crois, ouais j'ai fait 20 niveaux. Sans compter la perte d'XP. Bordel. C'est vrai que j'ai une envie de pleurer en pensant à la perte d'XP. Là, David, je suis 56. D'ailleurs, David, tu joues encore une petite partie ou pas? Te demander, parce que là, je vais partir refaire le secret, mais sur mon compte secondaire, pour récupérer tous les items à récupérer pour la vidéo renseignement, puisque j'ai pas filmé, voilà. Ouais, Norman, ça aurait été abusé. Du coup, David, c'est pour savoir si tu voulais refaire une game ou si tu vas te coucher. Il y a une table de craft, pas loin? Ah, je suis sûr qu'il y a une table de craft par là. Non? David, moi ce serait pas speedrun du coup. Parce que ce serait, tu sais, je prendrais le temps de filmer du coup chaque étape. Pour limite en faire refaire le tuto secret, mais sans vraiment faire refaire le tuto secret quoi. Ce serait pour... Ah si, là en dessous la table de craft, je suis con. Hop. Pour récupérer tous les trucs qui demandent... tu sais, quand tu les récupères, ça donne un renseignement quoi. Hop. Donc comme tu veux, sinon je pars juste avec Narbonne. Bah écoute David, c'est chaud. C'est chaud, let's go. Comme ça moi ça m'arrange au moins. Bah David, dans 2 minutes. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, aller à la ville. Pour déclencher l'exfiltration. Hop. Quoi chat, on va aller faire le secret. Ça a mieux le kick, je crois. Vas-y, t'inquiète, Narbonne. Ouais, de toute façon, David, faut que je regarde vite fait un truc, parce que je sais plus si j'ai noté tous les renseignements, du coup, j'ai checké un truc sur Internet vite fait. J'irai faire juste une pause pipi au chat, parce que je commence vraiment envie de pisser. Évacuation en stand-by, équipe d'intervention. Ça suffit pour aujourd'hui. Exfiltre-nous. En route vers le point d'exfiltration. Merci pour le flow, Guess, bienvenue toi. On évacue. Cavale, cavale, cavale. De quoi, David? Merde, fallait. Tu les chutais sans truc en. Ah.
C'est vrai qu'il y a du délai sur mon stream, je sais pas pourquoi il y a du délai. Putain, j'ai jamais mis de délai. J'ai remarqué, il y a environ 7 secondes, c'est trop chiant. Ah ouais, David, ça a été trouvé? Oh lourd. Ah bah, j'ai pas vu qu'il y avait ça. Et bah let's go. C'est une réussite. Du coup, Flapix CV, si vous étiez sur la vidéo avant de partir, bien évidemment, de ce nouvel épisode du Mange Sang sur toutes les babes zombies, pensez au petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos zombies. Il y a une nouvelle vidéo tous les mardis, jeudi et samedi. Puis voilà, ce serait cool qu'on pète les 100k sur cette chaîne, ça ferait très plaisir. Et du coup... bah voilà, je n'ai Twitch, hein, si vous voulez voir ces épisodes tournés en live, bien sûr, le Twitch est en description. Sur ce, prenez soin de vous et... à la prochaine, YouTube !